Bonsoir mes chers amis. Bonsoir comme tous les soirs, comme tous les soirs. Ravi de vous retrouver. Pour certains d'entre vous, je passe la journée à échanger avec vous. Pour les autres, ravi de vous retrouver. Euh, J'ai essayé donc de faire un, intervenir des personnes dans ce live. C'est ça va se faire bientôt. Il euh, y a eu donc des des, des, il y a des améliorations donc euh, sur leur matériel euh, à effectuer, on a euh, clarifié les choses et ça va se faire bientôt, donc euh, bientôt vous me verrez euh, intervenir avec euh, euh, la présence d'autres personnes, ça ajoutera toujours un plus euh, au débat. Voilà mes chers amis euh, pour le reste, donc juste un instant, vous savez, la censure m'oblige à, euh, à jongler avec plusieurs comptes, et donc c'est ce que je suis en train de faire. Hop. Ça, d'une part, voilà, ça c'est fait. Ensuite, euh, alors, pour vous saluer, bonsoir Teddy Colin, mon ami, bonsoir Sunshine Sun, mon ami, bonsoir Gilbert Chabrol, mon ami, bonsoir Cindy Goncalves Costa, toujours présente, très importante Cindy, mon ami, Guylaine Miras, mon ami, bonsoir, et bonsoir à tous les autres, toutes les autres que je ne saluerai pas, y compris euh, sur les autres plateformes, sur les autres. Euh, les autres lives euh, et discuter. Bonsoir mon ami. Euh, voilà. Je, donc je ne vois pas tout d'un coup. Euh, Roland de Dumont. Euh, bonsoir mon ami. Catherine Jaco. Bonsoir mon ami. Euh, alors, on va démarrer mes chers amis. Il y a J'aimerais démarrer par cette information donc qui vient de tomber, je n'ai pas vérifié sur les médias officiels donc euh, vous me direz pour ceux qui sont branchés dessus euh, si vous l'avez eu euh, concernant c'est concernant donc le euh, footballeur. Alors, où est-ce que je l'ai rangé Je l'ai rangé par ici, je crois. Hmm. Voilà, donc sachez que l'avion de Emiliano Sala, vous savez, le, le footballeur qui avait euh, disparu euh, au-dessus de, de la Manche, eh bien grâce à des fonds privés, il y a eu des recherches qui ont été effectuées, et donc l'appareil, l'appareil Dave Botton, hein, le, le, pardon, l'appareil est sans pilote. Qui s'appelle Dave Ibbotson e. ont été retrouvés dans la Manche. Hein, pour l'instant, pas Emiliano, mais l'appareil, euh, l'appareil oui. Hein. Donc voilà les inf cette information. Euh, pour ceux que, ce que ça intéresse, le Real mène 3-0 face à alaves euh, Ensuite euh alors par rapport à ça donc là il y a cette information, il y aurait un boulanger qui aurait refusé à un policier euh, l'accès donc euh, à son établissement, à son magasin. Euh, donc je vais euh, vous mettre euh, l'information à l'écran. Euh, S'il y a une vidéo, on la regardera. Donc c'est euh, l'article est sur Le Parisien. On va euh, le regarder ensemble. Ensuite, j'ai une vidéo euh, qui euh, qui est choquante. Hein. On voit comme d'habitude les forces de l'ordre ne pas faire de discernement, même aller au-delà, aller au-delà de ce qui est prévu dans leur mandat, donner des ordres qui n'ont pas de sens. Demander à tout le monde de se, de se coucher par terre, par exemple. Hein. On se demande quel est l'intérêt de, des personnes présentes euh, calmement. Il n'y a aucune justification. Mais bon, on a l'habitude maintenant. Donc voilà, regardez. Un boulanger a-t-il refusé à un policier l'accès à son établissement Vous l'avez vu, cette information, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me, me le dire. Donc là, je vois, Guylaine, que tu dis. Tu t'exprimes donc sur l'appareil de du footballeur. Tu dis euh, les recherches sont euh, inexistantes. Bonsoir Gigi Nani, Bonsoir Sandrine Martinez Gérard. Euh, hop, alors est-ce que bonsoir Claudine Even, euh, Ce n'est pas un policier. Tu dis je peux vous l'assurer. Teddy, tu dis information du jour, c'est l'annulation du traité sur les missiles à tête nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Donc allez, on va continuer. Donc Claudine, tu dis que ce n'est pas un policier. On va vérifier. Donc il y a une vidéo qui montre une altercation entre un policier et un boulanger. L'échange a été euh, massivement partagé par les pros et anti-gilets jaunes. La vidéo dure seulement 20 secondes et a été vue plus de 100 000 fois. L'échange se déroule devant une boulangerie de l'enseigne Lendemain. Lendemain. Situé 180 rue du Temple, il oppose le fonctionnaire et le responsable de la boutique. Filmé de dos. Alors, on va regarder euh, qu'est-ce qu'il y a ici. Que s'est-il passé avant le début de l'enregistrement et qui pourrait expliquer cet incident Selon un témoin contacté par le parisien, la vidéo diffusée a été tournée quelques minutes avant le début de l'altercation. Nous étions en plein mouvement de foule à l'arrivée de la manifestation Place de la République. Une street médic blessée se trouvait à l'intérieur du magasin. Deux policiers ont débarqué, sans rien dire, armés et cagoulés. Le responsable du magasin a accepté de leur servir un café, mais seulement s'ils enlevaient leurs cagoules et armes. Et ils n'ont pas apprécié. Le temps serait ensuite monté entre les deux hommes. Donc là, il y a un, un, un communiqué, euh, c'est véridique, hein, euh, tu dis euh, Claudine, c'est pas un vrai policier, si, si, si. Là, il y a un communiqué de Maison Lendemain, donc la boulangerie, qui dit, suite à plusieurs réactions, euh, nous tenons à rappeler que nous sommes une enseigne de commerçants apolitiques. Bon. Offusquer certains internautes, moi je dirais que c'est les certains gilets rouges, pas gilets rouges, c'est écharpes euh, rouges, enfin je crois que c'est des écharpes si je me souviens bien, foulard, foulard, certains, on va dire certains foulards rouges, parce que là c'est écrit certains internautes, évoque l'article L122.1 du Code de la consommation qui stipule qu'il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou d'un service sauf motif légitime. En cas d'infraction, les amendes sont celles prévues pour les contraventions de cinquième classe, donc 1500 doublés en cas de récidive et 7500 s'il s'agit d'une société. Donc là, c'est une société. Euh D'autres, donc notamment des gilets jaunes, ont pris la défense de cette boulangerie et évoquant l'acte courageux du gérant. Alors maintenant qu'on a fait le tour, on va regarder que dit la vidéo. Bien entendu après la pub. Hein. 23 secondes quand même. Alors, tiens, quand même, j'ai pas envie. De mettre à l'honneur leur pub. Voilà, dès que la pub se termine, je vous mets la vidéo. Donc, apparemment, c'est en 20 secondes. Hop. Elle je sais pas, je, je, je vous préviens, je ne vais pas d'arrivée à Ok, c'est bon, on peut passer Si vous n'avez pas d'arrivée, c'est bon. Moi, je crois que je vais aller ailleurs. Ouais, pas de peux, après, oui, allez, Oui, allez-y, ailleurs. Peux, je peux aussi regarder. Ouais, ouais, ouais. En plus, vous avez plein de vitrines, c'est parfait. Bon. Moi, il n'y a aucun doute, hein. il est policier, et puis il a montré son arme au début, et puis à la fin il a dit, donc il nie pas le fait qu'il soit policier. Il a dit bon bah ben, si je peux pas entrer ici, je vais aller ailleurs. Bon. Euh, ce n'est pas non plus. Euh, J'ai envie de dire l'affaire du siècle. Hein. J'ai pris cette information comme je l'ai trouvée, euh, Voilà, moi je voulais vous parler d'abord de Emiliano Sala. Euh, L'avion a été retrouvé dans la Manche. Voilà, c'était plus ça. Ensuite, il y a une vidéo donc choquante que je vais vous montrer euh, sur. Ah oui, là donc je vous confirme le le corps du footballeur Emiliano Sala. Aussi a été retrouvé avec son pilote, donc euh, à proximité de la carlingue de l'avion. Donc euh, voilà, malheureusement, Emiliano Sala est bien décédé, son corps a été retrouvé. Voilà, je vous confirme, je vais voir un peu ce que vous avez écrit là-dessus. Après, on va mettre la vidéo que je vous ai dit. Bonsoir Marie Lefebvre Tavernier. Euh, Félix Valérie, bonsoir. Bonsoir Duvar83, Félix. Ouais, t'es dit, je pense, un peu comme toi, parce que tu dis ça sent la pub bidon parce que le mec il glisse bien l'adresse de son établissement. Et puis le, le groupe, je sais pas, Lendemain, moi je connaissais pas. Hein. Euh, je pense que maintenant beaucoup de personnes l'ont découvert ce groupe. Hein. Donc, vous l'avez pas vu, Rolande, Claudine, très bien. Très bien, très bien, très bien. Euh, je me rappelle plus si je t'ai salué, Sandrine Martinez-Gérard. Donc, bonsoir. Je pense avoir vu les autres. Euh, on va mettre donc la vidéo. Alors, la vidéo que je vous ai dit. Ta 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 ta. Si moi vous m'avez pas euh, entre temps euh, inondé avec de nouvelles publications, alors voilà, c'est ici. Voilà. C'était à Bordeaux, donc c'était hier à Bordeaux. C'était hier à Bordeaux, on va regarder ça. Bon, bah, il y a comme d'habitude, hein. On n'arrête pas de voir des, des images pareilles. Il y a les policiers qui euh, outrepassent, outrepassent leur, euh, leur cadre d'action, on va dire. Ils demandent à tout le monde de se, de se coucher par terre. Enfin, on dirait qu'il y a une attaque terroriste. Toujours cette même exagération. Allez, on regarde. Reculez, vous connaissez pas, vous Donc voilà, c'est on se demande pourquoi euh, tant d'exagération. Alors ça c'était d'une part euh, je vais Alors, il y avait quelqu'un. Hop. Alors, je continue. Tu, tu, tu. Alors, sur les petites infos. Voilà. C'est ici, donc comme je vous ai dit, le corps d'Emiliano a été retrouvé. malheureusement. Voilà, donc là. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre Ah oui, ça c'était euh, donc les les CRS qui foncent dans dans des jouets ici aussi je voulais vous montrer les paroles macron donc qui appelle euh, qui appelle au respect de la république hein. on voit com comment il traite la république ben, on va regarder les images de la dernière fois de, de macron enfin euh, la dernière fois de la fois où il a fait une fête à l'elysée je regarde parce que j'aurais bien aimé retourner cette vidéo alors, ça va me demander un court instant pour la retourner. Sinon, on va on va la regarder telle quelle parce que sinon il aurait fallu la retourner. Allez, on va la regarder telle quelle. Hop. Ensuite, on va regarder, on, y a, on regardera à nouveau euh, la, la petite sauterie organisée à l'Elysée avec du rap, euh, des, des LGBT, noirs, etc. Hop, non voilà, c'est là. Alors, Voilà, ça d'une part. Maintenant, on va regarder donc l'autre vidéo que je vous ai dit sur Macron quand il avait organisé la petite sauterie. Et lisez bien les paroles en bas. Euh, alors, tiens, je voulais juste répondre. Euh, alors, est-ce que c'est moi qui suis à l'image Voilà. Euh, J'avais vu donc... Claudine Even, tu me demandais si je parlais anglais. Et oui, je parle anglais, je suis quadrilingue. Je parle quatre langues. Euh, JP Ujnel. Euh, voilà, ils se couchent. Ils n'auraient pas dû se coucher, je pense, comme toi. Hein. Le but. Le but, il faut aussi connaître un petit peu ses droits, il faut être un petit peu aussi expérimenté, donc avoir un petit peu d'âge, de bouteille et d'assurance. Hein, mais je veux dire, on n'est pas obligé, faut, vous n'êtes pas obligé d'obéir à n'importe quel ordre. Un policier qui te dit va me chercher un café, c'est pas parce que c'est un policier que tu dois aller lui chercher un café. Hein, il faut savoir aussi. Hein. Bon maintenant, si tu ne te couches pas, effectivement aussi, il faut savoir. Si tu ne te couches pas, tu te prends un coup de matraque, ils te prennent, ils te mettent dans un coin il, il s'occupe que de toi et les autres te défendent pas donc il faut aussi savoir un juste milieu faut pas tout de suite obéir se coucher il faut, faut demander les raisons pourquoi monsieur l'agent voulez-vous que je me couche et puis bon bah voilà faire mine que je suis en train de m'exécuter hein bon c'était sur la vidéo qu'on vient de voir euh, Marie lefebvre tu dis à vomir je suis d'accord avec toi Roland Dumont tu dis, euh, Castaner met la pression, il ne veut plus personne dans les rues pour manifester. Nous sommes d'accord. Et ça, c'est une manifestation d'un de, 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 régime aux abois. Hein, quand vous avez euh, quelqu'un qui a peur, c'est là où il devient agressif. Hein, un chien agressif, c'est d'abord un chien qui a peur. Maison hein. Macho yellow, bonsoir. Bien entendu, dit, hein, la France fait l'alçon aux autres. Et euh, pour moi, de ce que j'ai vu là, sur les, 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 les blessures graves dans les manifestations en France, les yeux éborgnés, les mains arrachées, des personnes décédées, des blessures diverses sur les cuisses, sur... De ce que j'ai vu là, je vous assure que, par exemple, une révolution que je connais très très bien, la révolution tunisienne, et qui euh, pourtant on disait que c'était un état policier, euh, dictateur il était en place donc pendant 23 ans, je vous assure qu'il n'y a pas eu tous ces dégâts là et pourtant la révolution veut dire le président quand il a vu qu'il n'était pas il n'était plus écouté et il n'était plus surtout accepté euh, désiré, il est parti. Bon, moi, ici, en France, je vous dis, parce que la Tunisie n'a pas changé entre-temps, il hein. faut, faut apprendre du passé. La Tunisie, le... vous faites partir un représentant du système, vous ne faites pas partir le système. J'aimerais pas que ça arrive de nouveau en France, c'est-à-dire que c'est Macron qui parte, et qu'est-ce qui va se passer C'est le président du Sénat qui va se mettre en, en, à sa place, c'est le deuxième personnage de l'État, c'est la Constitution. Qui, qui, qui a prévu euh, ainsi donc c'est Gérard Larcher et Gérard Larcher il est pire que Macron <laughs> je veux dire on sort de la peste pour tomber dans, la, dans le choléra je sais que Gérard Larcher depuis très longtemps est, est mis en avant pour justement le préparer à ce, ce poste-là mais ce serait une catastrophe c'est euh, c'est maquiller la réalité c'est comme en mai 68 hein, ceux qui ont cru euh, que ça a changé et tout euh, on se sent aperçu rapidement et même aujourd'hui que rien n'a changé entre temps uh, Colich est mort uh, beaucoup uh, ont vraiment cru que daniel cohn-bendit était quelqu'un de bien le chanteur renaud uh, beaucoup ont cru que, leur, que ses paroles il est il, il, il il, 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 euh, il pensait vraiment ce qu'il disait voilà <laughs> alors que s'il s'agit juste de, de, lire un, de lire un texte hein. Donc voilà, là il ne faut pas que cette fois-ci ça arrive à nouveau, c'est pour ça que je vous dis, c'est une illusion de croire en plusieurs choses, particulièrement l'Urique, parce que non seulement les médias vous le mettent en avant, l'Urique, le le l'Urique, le l'Urique, le RIC, et au final il y aura une négociation Macron, et Macron dira, bon bah si c'est comme ça, et parce que là j'ai reçu à l'Elysée je ne sais quel gilet jaune, parce qu'on nous prépare depuis longtemps à cette fameuse rencontre entre des gilets jaunes et Macron, ce qui sera le l'étape euh, supérieure, parce que là, les Gilets jaunes, ils ont rencontré beaucoup de monde, mais on n'a pas eu le président. Et donc, lorsque Macron recevra les Gilets jaunes, allez savoir si c'est les heureux élus que personne n'arrive à contacter. Hein. Je, ça, on, dit, on, on retombe dans le même problème des syndicats, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui disent, moi, je viens de la base, je suis au courant de ce que veut la base, mais que nous, je vais dire, la base, personne n'arrive à les contacter. Moi, j'ai tout essayé hein, pour contacter ces gens-là. Malheureusement aussi Éric Drouet et, et d'autres, il hein, n'y a qu'à lire leurs publications. Il n'y a pas, on n'a pas l'impression qu'il y ait un, un, une, une maturité politique, ni un, un éveil, un éveil, on va dire, sur la situation, sur le passé, un éveil affiné de, de, de la réalité des choses, la franc-maçonnerie, les problèmes réels structurels du pays. Voilà, là j'ai vu sa publication que j'ai publiée tout à l'heure, bourrée de fautes d'orthographe, et il pose la question est-ce que nous sommes d'accord pour que il parle à des gens, et les gens qu'il a cités, la plupart sont des francs-maçons Écoute, je sais pas, moi, Eric Drouet, Drouet je désespère, je n'arrête pas de te contacter sous sur toutes les formes, je te tag sur, euh, sur des photos, de la même manière pour Flyrider Maxime Nicole, de la même manière pour Priscilla Ludowski. Enfin, je, même si je sais que vous vous jouez un jeu, un jeu trouble parce que vous êtes connu dans un à travers, au travers d'un 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 club, d'une association pour passionnés d'automobile, ce qui est l'usage, le, 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 enfin, je vais dire le, le, la méthode classique de l'état profond, de la franc-maçonnerie, de donner des coups de main par-ci par-là, invisibles Et il faut, il n'y a qu'à regarder la composition du siècle, hein, cette réunion qui, qui ressemble à Bilderberg où vous avez diverses comme par hasard diverses associations de passionnés d'automobile, en tête desquelles le, le Lions Club voilà, enfin, je veux dire je sais pas, il est jamais trop tard hein, à accepter de venir dans l'émission ou même en off de me prendre au téléphone qu'on puisse discuter un peu moi je vous donne le, le, je vous donne comment dire je vous laisse euh, euh, la, la bonne foi hein, je ne vais pas vous incriminer si vous êtes de bonne foi bon ben si vous manquez d'informations je veux bien vous informer hein, vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde les guerres que nous menons à quel point ça coûte très très cher le fait que ces guerres amènent de l'immigration de personnes désespérées et ce qui met de la tension à l'intérieur donc du pays aussi bien euh, dans le domaine donc social culturel mais aussi euh, sur les acquis sociaux euh, des droits des travailleurs etc enfin, on peut je pourrais vous vous exposer beaucoup de problèmes la sexualité apprise à nos enfants dans les écoles parce que je vois que malheureusement vous manquez beaucoup d'informations, et on va dire de maturité vous êtes enfermé dans des revendications euh, je vais dire s'arrêter euh, je sais pas moi N'importe lequel des représentants classiques des partis politiques ou, ou, ou des syndicats, il n'y a pas de nouveauté. Hein. Vous demandez du pouvoir d'achat, je vais dire, ça, c'est bon, il y a des gens pour demander ça. Hein. ça vous n'avez pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Le pouvoir d'achat, il, il, il y a les opposants politiques qui le demandent, la CGT, les syndicats, et je vais dire, euh, on n'a pas fait les Gilets jaunes pour ça. Hein. Euh, il faut d'abord enlever la corruption, les amis. Hein? Euh, la justice, en plus, toi, t'es Eric Drouet, t'es passé par le soi-disant, par la case garde à vue, etc. Bon, ben tu vois bien qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Comment tu vas demander le pouvoir d'achat alors que, franchement, ce qui est le plus important, c'est quand même la justice, hein. On commence par le début pour arriver à la fin. On ne demande pas le RIC alors que on a des institutions qui ne vont pas faire respecter le RIC. On demande d'abord à ce que les institutions soient assainies on porte à la connaissance du public le fait que la franc-maçonnerie gangrène tous les pouvoirs dans ce pays, que la laïcité est bafouée par la franc-maçonnerie, et une fois qu'on a éveillé sur plein d'autres sujets, ce sujet-là de la justice, etc., et bien là, on met en place des, des mesures du type RIC, où on sait qu'à peu près, on pourra faire avancer certains sujets, que ça ne sera pas pipé comme d'habitude par les mêmes euh, ceux qui ont l'argent, les oligarques, la franc-maçonnerie, qui imposeront euh, leur sujet à eux, comme on le voit tous les jours dans les médias, comme on le voit à n'importe quelle élection, où les débats sont des débats uniquement, spécifiquement... Euh, orienté sur l'argent, la thune euh, et je, je t'augmente une taxe par là, je t'enlève l'autre. Moi, je rajoute la CSG, l'autre, il va dire moi, je vais je vais pas toucher à la et puis c'est vous en avez pas pas marre de, que ça parle uniquement d'argent, de pouvoir d'achat, de d'impôts, de fiscalité, de... mais je vais dire, il y a pas il faut s'attaquer, il faut d'abord avoir des institutions qui fonctionnent, des médias qui ne censurent pas et ensuite, on met des instruments. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de, de rajouter des instruments. Pourquoi le RIC Pourquoi, pourquoi aller euh, demander au peuple de voter à des référendums peut-être deux par an, alors qu'on a dix mille élections en France Pourquoi ne, ne pas réussir plutôt sur une élection Pourquoi ne pas réussir, euh, je ne sais pas moi, à prendre des, des, des régions, des mairies, euh, des, des, des sièges. Euh, des sièges dans dans les assemblées hein, des sièges dans les assemblées dans l'assemblée euh, euh, nationale, qu'est-ce qui se passe pourquoi vous n'êtes pas content c'est mon, mon sang il marche pas qu'est ce qui se passe alors je vais suivre parce que là vous me contactez alors qu'est-ce qui se passe Mike ah Mike tu veux me parler bah tiens je vais te mettre Mike Alors Mike, je t'ai contacté. Il est où Mike Et euh, on était donc en parler. Vas-y. Ok, alors je t'appelle. Tiens, Mike, si tu m'entends, je t'appelle sur ce messenger. Tiens, je vais te l'écrire. Kevin, c'est bon. Arrête de m'appeler. Alors, je t'appelle ici. Euh, alors, je vois pas. Alors, ici, on est. Euh, je suis sur ta page, euh, justement. Je ne peux pas t'appeler, Mike. Alors, donne-moi un moyen de t'appeler, parce que là, je suis en train de communiquer avec toi sur ta page. Euh, donne-moi un Facebook pour que je puisse t'appeler. Hop, voilà. Je, je suis en train de t'écrire, Mike. Tu me dis comment on fait. Bah tiens, tu es là, euh, Mike Rambo, c'est toi. Je ne sais pas si c'est le même Mike. Hein. Alors, Mike Rambo, est-ce que c'est le même que c'est que le Mike Rambo Est-ce que tu es le même je ne sais pas hein. alors, je vais appeler. On va voir parce que il y a une multitude de euh, profils. D'ailleurs, il faut que je coupe ma, ma cam. Alors, comment on va faire Parce qu'il faut que je coupe ma cam pour appeler. Alors, c'était pas prévu. Ce qu'on va faire, mes chers amis, c'est que je vais vous mettre la vidéo et euh, moi en arrière-plan, je vais essayer d'appeler Mike. Alors, je vais mettre la vidéo. Hop. Allez, c'est parti. Bah oui, c'est rigolo d'entendre ça dans l'Elysée, non Going back to college, strictly for the weather, women and the weed. Sticky green, no seeds, bitch, clean. Got me mixed up, you drunk them licks up. Man, cause I got my dicks up and my balls licked. About to go down, got six model chicks, six bottles of Chris. Alors, je suis là mes chers amis. J'ai désactivé cette caméra pour pouvoir appeler donc sur l'autre. Alors, voilà. Là, je t'appelle Mike. Normalement, tu vois mon appel. Je t'appelle de mon côté. Réponds à mon appel. Je t'appelle Mike. Regarde. Est-ce que tu vois cet appel-là? Est-ce que tu vois cet appel-là? Non. Je vais recomposer. Voilà. Je t'appelle Mike. Allo, allo? Allo, allo? Est-ce que tu m'entends? Ah, bah voilà. Yeah. Tu es à l'antenne. Tu es à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir ça Enf... va Enfin, ça va et toi Bah oui, dis-moi, première question là, qui me tire le pin, ton sapin, pourquoi tu ne l'enlèves pas Je l'ai fait pour mes enfants, mon sapin, ah. pas... je ne vois pas mes enfants, je me bats ah. pour mes enfants, ah. je, ne... je ne gagne rien avec ce que je fais, je me suis présenté aux législatives sur mes propres sous, donc je perds plutôt de l'argent, je fais tout ça en espérant que la révolution aboutisse pour justement pouvoir voir mes enfants d'accord bah, je savais pas mais c'est normal souhaite... tout le monde me pose la question vous avez parfaitement raison vous avez parfaitement raison je te souhaite de la réussite et puis si tu as besoin de contact ou d'aide pour tes enfants on peut essayer de s'entraider merci beaucoup moi ce qui m'intéresse c'est pouvoir entrer donc en contact avec vous là je suis content que ce soit toi euh, je sais que toi tu es en contact avec les autres si tu peux passer le message euh, qu'ils viennent discuter avec nous, ou juste toi, que tu passes le message, qu'il n'y a pas que les revendications sur le pouvoir d'achat. Tu vois bien, moi, franchement, perso, je ne roule pas sur l'or, hein, je suis au chômage, mais perso, euh, je suis intéressé par autre chose que le pouvoir d'achat. Et donc, il y a plein d'autres sujets sur lesquels il serait intéressant qu'on puisse discuter, hein, parce que la gangrène de ce pays, euh, c'est la corruption, c'est la mainmise d'une certaine... On va dire, corporation qui s'appelle franc-maçonnerie, sur tous les pouvoirs. Et si on n'assainit pas notre justice, si on n'impose pas la laïcité à l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont tous franc-maçons, hein, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas catholiques, ils sont tous franc-maçons. Ils sont tous franc-maçons. Donc, si on ne traite pas euh, le, le problème, la gangrène à la base, il ne sert à rien de mettre en place un RIC, par exemple, alors que le, le, tout est pipé d'avance. Oui. Donc voilà, j'aimerais euh, évoquer ces sujets-là avec vous, là, bon, bah, c'est avec toi, que tu puisses toi en toucher un mot aux autres lorsque tu les croises, et qu'on puisse, euh, voilà, se transmettre des informations comme ça. Euh, moi, je n'ai pas de prétention, mais je peux vous apporter quelques informations intéressantes. voilà. Mais, mais euh, est-ce que ces informations sont un, un grand bien nécessaire pour notre public, pour notre pays pour nos habitants, pour ceux qui en ont marre de vivre pour survivre Moi, je le pense. Hein. Je suis en contact donc avec plusieurs personnes. Et euh, même au-delà de ça, personnellement, je peux te citer plein de sujets qui sont censurés intentionnellement dans les médias, dans les débats, que ce soit lors des élections, etc. Et, et sur, le, sur les Gilets jaunes, notre espoir, c'est que ces sujets-là soient portés euh, à, dans les médias, euh, à la, à la, à les, je veux dire. À l'intention du public qui vous écoute. Euh, je te donne un exemple, par exemple, l'apprentissage de la sexualité dans les écoles à nos enfants. Ça, les, les gens ne sont pas informés. Pourquoi Parce que les médias, intentionnellement, filtrent ce type de sujet. Hein, euh, Il en touche. Mais je peux te dire que, par exemple, tu as, je ne sais pas si tu connais Farida Belgoul, qui fait un travail formidable qui fait partie de l'éducation nationale, qui dénonce ce qui les dérives dans l'éducation nationale. Elle a mis des preuves. Hein. Moi, je n'arrête pas de les diffuser les preuves qu'elle a mis. Et ouais. cette, cette femme, elle est en train de se faire broyer en silence par euh, le, le rectorat de Versailles. Elle est convoquée en conseil de discipline. Et bon, bah, si vous, par exemple, vous pouvez pas en toucher un mot, euh, elle va se faire broyer comme plein d'autres. Moi, perso, j'étais conducteur de métro, j'étais assimilé fonctionnaire, je me suis fait broyer en silence. Lorsque mon tour était arrivé. Donc voilà, nous, on compte sur vous pour parler de ces sujets-là parce qu'on n'a pas accès aux médias et je peux te parler de ça. Je peux te parler de, de la vaccination, c'est une catastrophe. 11 vaccins pour nos enfants avant même qu'ils aient développé des défenses, euh, leur défense immunitaire. Je peux te parler de plein de sujets. Bon, voilà, moi personnellement, j'ouvrirai le champagne et si un de vous, d'entre vous, un jour, euh, en ayant le micro dans n'importe quel merdia vous balancez comme ça. On aimerait des réponses sur les chemtrails, même si on vous fait passer pour des fous, pour des dingues. Vous parlez des chemtrails, c'est chemtrails, les traits qu'on voit les avions euh, laisser dans le ciel. Ça, c'est pas, ouais. hein. pas naturel. C'est pas naturel. Il y a plein de sujets. Si tu balances, on aimerait des réponses sur les enfants placés, parce qu'il y a mais, les placements. Excuse-moi, tu dis moi, je suis d'accord je, je avec toi sur certains points par, par rapport au vaccin. Moi aussi, je n'adhère pas euh, qu'on infiltre qu 11, euh, 11 vaccins à un nouveau-né euh, qui n'est même pas encore, euh, comme tu dis, euh, évolué. C'est... Euh, 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 Défense immunitaire. Dit, euh, voilà. Mais déjà que l'État a déjà du mal à reconnaître les revendications euh, des, du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que tu ne penses pas que ce sera encore plus difficile de faire parler de tout ça Alors, certes, on peut en parler, en faire du bruit, euh, en dire quelques mots. Même moi, je peux t'inviter euh, dans la quotidienne à en parler hein, avec un grand plaisir. Hein. Tu peux en parler et les gens écoutent et les gens seront avec. Il y en a qui seront en... pour, il y en a qui seront contre. Hein, parce qu'il y a des avis, bien évidemment, différents dans, dans certains sujets. Mais euh, déjà qu'on a du mal pour les... le... le début, bah, pour le RIC, pour la... les... les taxes. Pour difficile derrière de faire passer le vaccin, faire passer euh, dans certains centres que les enfants subissent ou les maltraitances. Oui. Il y a des fois ça coupe et je crois que là, tu été... Ton image est figée, ça coupe des fois. Ça doit être le réseau. La de la vidéo de Mehdi, euh... ça me dit que ça, ça Là, c'est bon, tu me revois Là, je te vois, là, voilà. Là, ça a ouais. repris. Par exemple, il y a même des, 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 dire, des enfants qui ont subi des maltraitances oui. euh, inimaginables et qui, maintenant, sont dans des foyers et que personne ne veut les adopter. Oui. Il, y a, il y a tellement de problèmes en France. C'est atroce. On ne parlera même pas une fois de plus de deux ans pour parler de chaque débat. Oui, ben, mais ce n'est pas ça. c'est c'est pas ça. C'est que, pour l'instant, on est enfermé parce que bon, ben, ça, ça développe beaucoup à développer, mais euh, ça demande beaucoup de temps à développer. Mais les, les, les... qui... Mais le piège, le piège économique, vous, le, malheureusement, on vous, on vous... je ne sais pas, j'entends je en, du bruit, c'est pas toi qui parles. C'est en retour peut-être. Bon, je pensais que c'était toi qui parlais. Non, c'est pas toi qui, qui parles. Eu, euh... Non, je ne parle pas. J'entends des retours. Tu, tu l'entends des retours? Bon, ouais, dit, comme si quelqu'un comme, ou... comme si c'est toi qui parlais, mais en, en retard. Bon, on va y arriver. Donc, ce que je voulais dire, ouais. c'est que ouais, moi, euh, sur le placement d'enfants... Alors, peut-être... Attends, c'est une vidéo qui est lancée de notre direct. Alors, ça, c'est pas de chance. Qu'est-ce qui est lancé Non, c'est bon. Allez, ça s'est arrêté. Donc, sur les placements d'enfants... Euh, c'est beaucoup plus grave que ça. Euh, effectivement, que personne n'accepte que des enfants soient avec des parents maltraitants. Sauf que si tu te retrouves dans un pays où il n'y a que des parents maltraitants, Hein, c'est qu'il faut se poser hein, la question, c'est qu'il faut porter ça à la connaissance du public, c'est que les gens ils doivent se méfier que peut-être demain, pour un oui ou pour un an, on les fera passer pour des parents maltraitants, on leur, on, on leur relèvera des droits sur leurs enfants parce que, euh, par exemple, ils n'étaient pas d'accord avec le programme de l'éducation nationale, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, ça ne leur plaît pas que leur gosse reviennent à la maison en disant euh, euh, Apparemment, j'ai vu à l'école que la dame, quand elle s'assoit sur le zizi de plus monsieur elle trouve ça amusant et je te rajoute rien c'est écrit dans certains manuels hein. il y a des enfants qui sont rentrés ils étaient oh, choqués et donc Lorsque tu veux comme ça aller protester, par exemple, devant la directrice, et eh bien la directrice, euh, très rapidement, tu te retrouves à passer devant la psychologue, etc., de mesure en mesure, tu es passé en parent euh, irresponsable, voire maltraitant. Et les cas sont multiples. Alors tu vas me dire, euh, je, euh, on ne le voit pas, mais justement, il est là le problème, c'est que les médias cachent. Je t'assure que les cas sont multiples. Je te ouais, parle, ça, de... Euh... Je te parle Genre, de ça. J'en suis conscient parce que bah dans nous on reçoit on reçoit plein de messages on a plein de retours sur divers euh, sujets de la société il euh, y en a beaucoup des histoires euh, comme tu me... que tu en parles actuellement et moi et je peux rentrer... c'est pas assez médiatisé ça c'est sûr moi je peux te l'expliquer tu verras qu'à la fin là on... je, je te prends en plus dans ton lit c franchement c'est super sympa d'avoir ouais. accepté d'avoir ce live hein. Mais je peux t'expliquer de A jusqu'à Z la liaison qu'il y a entre euh, les attaques contre la famille qui commencent, entre la justice familiale, ce qui est balancé à l'école, ce qui est balancé à, dans les médias, pour arriver jusqu'à cette société qui est individualisée, qu'aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux Gilets jaunes, on essaie un peu d'unifier tu verras que le lien, il est direct. Hein. C'est des gens qui complotent justement pour faire exploser euh, le, 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 le peuple, le mettre en lutte intestine permanente, intrafamiliale, pour pas avoir un tissu soudé, euh, solide, pour qu'il ne euh, ce, ce, ce peuple ne s'en prenne jamais de manière organisée à ses gouvernants, si un jour il devenait, comme le cas présent, des tyrans. Et donc, tu vois, tout est lié. Perso, je comprends que vous soyez un peu enfermé dans des revendications euh, économiques comme la, la, la taxe, la fiscalité, l'ISF, le SMIC. Mais je t'assure que si tu savais, peut-être tu le sais, mais si le, le public savait hein, les, 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 euh, les, les dessous, les, euh, les, les massacres qui sont faits contre le peuple, contre les enfants, les parents, les, les, le système de santé qui rend malade au lieu de soigner les guerres. Je vais dire, pourquoi, franchement, j'attends avec impatience qu'un jour, un gilet jaune sur n'importe quel plateau, sur n'importe quel rond-point, puisse crier au micro, et en on, on parlant camp des guerres, pourquoi ce n'est pas une revendication Les guerres, non seulement ça tue des gens, mais en plus, ça nous amène des gens qui viennent se venger ici en France. Mais en plus, ça coûte des milliards. Donc ceux qui demandent l'ISF, c'est quelques petits millions l'ISF. La guerre, ça coûte des milliards la guerre. D'accord Et en plus, ça nous ramène, on le voit, le, ça devient problématique de l'immigration parce que c'est des gens désespérés. Non seulement qu'on a cassé leur baraque, on a tué leur famille, ils viennent ici désespérés en essayant de travailler. On leur a dit que c'est le pays des droits de l'homme. Regarde-nous, on n'arrive pas à s'en sortir avec les droits de l'homme. Et en plus, c'est des gens, on va payer, piller leur pays, on pique de l'uranium gratos au Mali pour le non-central en disant, on est en train de les protéger, les maliens. En Centrafrique, il oui. y a des reportages qui sont passés dans Envoyé spécial où tu as des gosses qui taillent des pipes à, des, à nos propres soldats pour donner des rations alimentaires à leurs propres familles. Enfin, c'est désespérant de voir le, 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 le pétrole du Gabon pomper gratos. <laughs> Euh, soi-disant qu'on est en train d'intervenir et après quand tu as une, un afflux quand tu as un afflux donc de, de gens désespérés on leur laisse juste un arbre et un chien dans leur pays alors qu'ils pourraient ils pourraient vivre dans leur pays ça crée des tensions en France c'est normal c'est un choc euh, entre auto, entre personnes locales et, et, et immigrés un choc culturel etc mais c'est surtout euh, une manière pour le patron pour le capital d'influer à la baisse sur les acquis sociaux les salaires etc Mais je vais dire c'est rien que ça je vais dire ça pour moi ça passe largement avant toute autre revendication donc peut-être qu'il faudrait ben, je sais pas, moi je veux pas non plus euh, m'imposer, je veux juste porter à votre connaissance toute cette montagne de sujets qui me semblent immensément importants pour, je... pour les glisser. Euh, si on peut en mettre un comme ça à, à la place de l'ISF, je sais pas, moi tu vois, tu mets mais, un petit. Écoute-moi, Védi, moi ce euh, que. Si un jour, euh, bah, non, samedi prochain ou quoi, si moi, je peux glisser un mot, bah, je sais pas, pour les vaccins ou quoi, je le ferai avec plaisir. Mais il faut, il faut tomber dans la réalité. On ne peut pas parler de tous les sujets. C'est impossible. C'est impossible. On peut, Moi, je pense qu'il faut faire étape par étape. Euh, on peut continuer à combattre dans l'ombre pour ces problèmes-là. On ne peut pas tout parler d'un coup. C'est impossible. Tu ne peux pas. Déjà, pour les, les choses fondamentales, euh, je ne dis pas que ce que tu dis, ce n'est pas fondamental, mais sur le... Comment dire sur la base du, du mouvement des Gilets jaunes, déjà ça, on nous entend pas, ou on, ou on fait semblant, ou on fait croire qu'on ne comprend pas. Alors qu'est-ce que ça va être sur les autres sujets il faut, être, il faut être réaliste. Moi, je ne dis pas, par exemple, je, vous avez choisi trois, trois thèmes, trois sujets. Bon, ben, ces trois, c'est pas cinq, ça, je l'ai compris. Hein. Je, je, je sais que ça. Mais au moins, je vais dire, il y, y a une répétition. Euh, et pas uniquement de vous, hein. mais tous les intervenants, peu importe comment ils sont. Et je sais que les, les médias filtrent beaucoup, donc il y a plein de gilets jaunes qui ont déjà parlé des guerres, mais comme par hasard, c'est pas cela qu'on va euh, ces séquences-là qu'on va diffuser. Mais voilà, maintenant que vous vous, vous, vous pouvez avoir la main, euh, je veux dire, peut-être des fois sur des interventions en direct, quoi que ce soit. Mais c'est bon, le, le Ric. Moi, je n'ai pas, pas envie de te convaincre là, et je sais que même si tu es d'accord avec moi, tu ne peux pas non plus contredire ceux qui te suivent et tes collègues. Pour moi, je pense que c'est vous perdez votre temps, parce que si le RIC donnerait quelque chose, euh, n'importe quelle élection en France aurait été gagnée par le peuple. C'est impossible, c'est pipé d'avance, on n'a pas les médias, donc ça sera des sujets annexes qui seront votés. Euh, et ça... Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, ça demande beaucoup de ouais, discussion. Mais, 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 plus, toi, mais je voudrais juste. Euh, pour... Vas-y. Ouais, vas-y. Mais je voudrais juste te dire que le ric, franchement, tu vas pas me dire que c'est un sujet qui est censuré dans les médias du matin au soir. Tu mets toutes les chaînes, tu mets tous les journaux, toutes les radios. Le ric, c'est pas un mot qu'on n'entend pas. On l'entend partout. C'est les experts en parlent, les gilets jaunes en parlent, les animaux, tout le monde en parle. Donc c'est pas caché. Est-ce que vous pouvez pas Personne ne vous en voudra de glisser comme ça de, de temps en temps en disant et puis les guerres, c'est pas normal. Ben, que les gens entendent, que sur le plateau on puisse. Ben écoute, crois-moi ou voilà. crois crois non, Mehdi, euh, si prochainement, euh, parce que bon, je ne sais pas trop, euh, je ne fais pas trop de plateaux non plus, j'en ai fait que un, mais euh, à voir, même dans ma quotidienne, si tu veux venir y parler, mais j'en parlerai, euh, bah, je ne te parlerai pas de tout, ça je te le garantis, mais je dirai un, un ou deux mots sur certains points. Euh, et après, euh, voilà, je ne peux pas te promettre autre chose, je ne peux pas prédire prédir, prédir l'avenir, mais euh, j'en parlerai euh, d'un des sujets, crois-moi. Bah Mike, franchement, merci beaucoup hein, de, de m'avoir pris, d'être euh, venu dans mon live. Ouais. Euh, je sais que encore une fois, tu, tout ne dépend pas de toi. Tu, vois, tu À ton niveau, déjà, tu te bats comme tu peux. Euh, pour, Moi, avec je suis ta... juste un, un animateur. Euh, quand voilà. j'anime une quotidienne pour les Gilets jaunes, je ne suis pas organisateur. Après, oui, je, je côtoie. Euh, euh, comme bah, Eric et tout, c'est pas, ce pas un organisateur, c'est quelqu'un qui, qui passe des messages, qui essaie de faire des choses euh, comme Jérôme et toute autre personne. Hein. Voilà, je sais on a déjà. Le pouvoir, on a le pouvoir, certes, de faire passer les messages, oui. Voilà, moi, si tu peux, maintenant, en dehors de, l de, de ce live, en dehors de l'antenne, comme on dit, si tu peux me mettre en contact donc avec euh, Eric ou d'autres, à but encore une fois informatif, je ne demande pas de retour en hein, off, sans caméra, sans rien, juste je donne des informations parce que c'est quand même intéressant, je suis persuadé que Eric. Toi et les autres, si je vous donnais les informations que je possède, que j'ai dit là, mais calmement, en vous informant de ce que c'est la franc-maçonnerie, en vous informant comment ce pays depuis 1789 est dans leurs mains, en vous informant de la réalité de la République, en vous informant comment la Première Guerre mondiale est partie, la Deuxième, et etc., en vous informant comment Mai 68, on a été arnaqué, des gens ont cru que Daniel cohn bendit c'était quelqu'un de bien, on s'aperçoit aujourd'hui. Que c'est une, que c'est un, une catastrophe, hein, que c'est quelqu'un qui trouve que une vie, une petite fille de 5 ans qui lui déboutonne les chem la chemise, c'est quelqu'un, c'est quelque chose d'érotique hein, Cette vidéo hein, que je te parle, tu peux le voir, hein, Daniel Kohnbendit. <mute> voilà. <sussuré> bon ben, ne serait-ce que qu'on puisse discuter comme ça en off, moi je suis absolument certain que je n'aurais plus besoin de vous demander de passer le, euh, un, un quelconque message. Déjà, vous allez, vous allez, vous vous rendre compte que euh, L'heure est grave, hein, que euh, nous sommes tous esclaves, nous sommes tous euh, vivants dans un monde d'illusions, hein, comme disait euh, celle qui est, qui est morte, Claire Sévrac, elle est décédée donc en décembre 2016 euh, d'un cancer, et elle avait, elle avait balancé beaucoup de choses. Donc voilà, moi, si tu peux encore une fois, là maintenant, on est contact sur, sur Facebook me mettre en contact ou que je puisse vous parler comme ça au téléphone ou vous rencontrer euh, ça franchement tu, feras, tu me rendras un énorme service, pas qu'à moi à tous ceux qui se battent comme moi pour faire entendre ces sujets là d'accord, bah écoute euh, je te promets rien mais je te tiendrai au courant parce que même eux-mêmes il euh, n'y a, a pas que toi qui veulent leur parler tu te doutes bien et que même eux, même entre nous, quand bon, moi ça va, j'ai pas autant de personnes qui, qui me contactent, mais même moi, quand j'envoie un message à eux, ils me répondent pas tout de suite, tu vois. Ils sont énormément demandés euh, de partout, que ce soit des, des gens lambda, que ce soit des plateaux télé, des journalistes. Euh, ils ont énormément, énormément beaucoup de messages, je l'ai vu de mes propres yeux. et... Euh... Je peux pas te le promettre de dire oui, t'inquiète pas, ils vont faire. Mais je peux en parler. Tu mais... vas voilà, tu vas faire l'essai et tu, effectivement, ça dépend pas de toi. Après, ça, ça, ça donnera suite ou pas. Ça, c'est ça dépend pas de toi. D'accord. Et, écoute, et ouais. si tu veux aussi, on peut, on peut aussi organiser, vu que tu as tu tiens une chaîne et que moi aussi, si aussi, enfin, je veux dire, techniquement, ça, je pense que ça sera sympa. On peut organiser euh, comme ça, une, une, une conférence avec toi, moi et ceux avec lesquels tu participes généralement. Mmh. Enfin, euh, je ne sais pas. Hein. Oh, bah, ouais, ça, je ne sais pas non plus. Déjà Jan nous, euh, nous voir entre nous, c'est galère. Alors, euh... Quand tu passes un, un coup de fil des fois comme ça, on peut, on, on peut le faire sur les deux chaînes. Hein. Ah, je moi, sais je pas. Sais. moi, je sais que techniquement, c'est possible. Hein. Je peux, par exemple, là, regarde, jeter sur ma chaîne, on nous voit tous les deux, je ouais. peux rajouter euh, un troisième, un quatrième intervenant et je peux donc envoyer ce signal-là, je peux l'envoyer sur ta chaîne et sur la mienne. C'est-à-dire que je peux créer plusieurs clones. Là d'ailleurs, on est en train de parler tous les deux, je ne suis pas uniquement en train de diffuser sur mon profil Facebook, je, je diffuse aussi. Aussi, aussi sur YouTube, sur Periscope, sur VK, VK c'est un Facebook russe, VK. Oui. Il, heureusement, il subit pas bah la non, censure. Voilà, et sur Twitch c'est une plateforme de, de jeux vidéo parce que vu qu'il y a la censure en moi, à chaque fois il y, a une, il y a une vidéo qui survit quelque part. Je suis censuré parce que moi je diffuse des analyses, des vidéos et c'est une méthode de censure donc qui qui s'appuie sur les droits d'auteur en disant ah non là la, la séquence de ces news même si je veux dire on paye la taxe sur l'audiovisuel on paye les, les box les abonnements on paye de partout mais on te dit euh, malgré que euh, ils ont diffusé ça en clair et qu'ils ont encaissé la pub tu t'as pas le droit de réutiliser pour les critiquer donc non. voilà bah écoute on, on peut on, on, on parle là mais d'ailleurs justement moi je te contacterai à... Or euh, vidéo par rapport à ça, là, le, le fait d'avoir surtout parce que moi je fais que mes lives avec mon téléphone, moi, j'ai pas d'ordi de, de tout ça. Hein. Mais on peut s'organiser, on peut s'organiser. Moi, tu sais, je les, les samedis, je prends tout ce que je, tous ceux que je trouve en direct, que ce soit à Bordeaux, un peu partout, je mmh. prends les flux et puis je, je les je les mets sur, à, à l'écran. Donc euh, toi, t'as jamais vu ce que je fais, mais c'est à peu près ça. Donc si toi tu diffuses quelque part, ben moi je prends ton flux. Euh, je le mets euh, dans mon écran, je peux rajouter d'autres choses. Non, mais on peut faire des, des, des choses de sympas ensemble. Hein. Mmh. Si tu es sur, sur le terrain, toi tu balances le live, alors tu, tu le balances sur ta chaîne, et puis moi je le prends ici sur cette chaîne, je peux mettre euh, quelqu'un qui intervient de chez vous ou de chez. Voilà, on peut, on peut créer vraiment, je pense, une chaîne qui qui, 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 qui sera. Euh... Qui, qui rivalisera sans, sans problème avec quelques chaînes, euh, quelques grandes chaînes Non, bah écoute, on, on, je vais voir avec euh, ceux qui, mon équipe qui travaille avec moi et euh, on verra dans, dans l'avenir, oui. Après, euh... Avec grand plaisir. Puis on, on est beaucoup, hein, il y a beaucoup et, de petites chaînes. Et toi aussi, tu passeras dans la quotidienne Bah moi, j'espère, j'espère, écoute, moi, je demande que bien. ça. Je demande ce que ça. Je veux bien passer dans ta quotidienne. Je veux bien passer euh, que ce soit sur le terrain avec n'importe qui. Je suis en contact donc parce qu'on est beaucoup à faire des initiatives et ça, les gilets jaunes, franchement, le, la multiplication de la création, hein, de la création de vidéos, de posts, d'initiatives, de chaînes. Mmh. Moi, je franchement, c'est génial. Je, je suis content. Je me suis <laughs> battu pour quelqu'un qui s'est battu depuis des années pour avoir une parole comme ça, autre que dans les médias officiels, c'est formidable. En deux mois de Gilets jaunes, en un peu plus de deux mois de Gilets jaunes, on a avancé plus que facilement, plus qu'en un demi-siècle. Hein Il y a beaucoup de paroles qui sont... Moi, j ai, j ai, ça m'a connecté avec beaucoup de monde, ne serait-ce que ce soir, c'est une, une rencontre supplémentaire avec, avec toi. C'est génial, hein c'est les Gilets jaunes, c'est génial. Bah écoute, après je, 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 je suis juste un mec normal, hein, je parle. Mais on se, en temps normal, on ne, on, on se serait jamais parlé, on se serait jamais rencontré. Ah oui, Regarde, voilà. Bah c'est vrai que, voilà. vrai que, que les, le, le mouvement a fait euh, rencontrer. Par exemple, moi dans ma quotidienne, les, les trois qui travaillent avec moi, c'est les premiers qui ont vu ma première quotidienne, qui ont kiffé, qui m'ont dit nous on veut travailler avec toi et depuis ça fait trois semaines qu'on qu travaille ensemble. On se connaissait pas. C'est formidable, franchement oui. c'est formidable. Hein. C'est formidable. Et après, bon, bah, ça donne beaucoup d'idées. Regarde, euh, je, maintenant je suis connecté avec toi. On a la même envie de créer cette chaîne avec des émissions, etc. Je suis sûr que ça te travaille, moi aussi. Et je connais, connais d'autres personnes. Donc, euh, on pourra, et tu, je, je suis sûr que toi aussi, tu connais d'autres personnes qui vous veulent faire ce type d'initiative. Je pense qu'au final, on pourra converger vers quelque chose de sympathique, collaboratif. Euh, par exemple, une chaîne qui serait. Euh, diffuser toute la journée vu que toi ton, ton cré créneau c'est 21h minuit tu m'as dit oui bon, 21h bah, on peut imaginer que euh, toi c'est 21h admettant euh, 23h et que euh, je sais pas on va dire Paul il fait euh, 19h21h et que jacques il fait 17h va faire une chaîne voilà plus jeune, quoi. Voilà, on couvre toute la journée. Hein. Et puis, bon, il bah, y en a, ils font un débat. Il y en a un, il vient, il, je ne sais pas, moi, il, il, fait, il fait appel à des talents de, musicaux, des personnes qui, qui, qui veulent jouer de la musique euh, depuis leur webcam. Puis on peut imaginer, il hein, n'y euh, a pas uniquement de la politique. Hein. Oui, bah, c'est pour ça que moi, je mets un petit peu d'humour euh, dans oui. ce qu'on fait, parce que euh, ça fait du bien aux gens. Que, euh... Je vois beaucoup de lives où les gens euh, se morfondent sur leur sort et euh, on rentre dans une spirale morose, c'est triste. Franchement, bravo, hein, j'ai vu. Ne change pas. Ne non. surtout, surtout, ne branche jamais sur les trolls, les critiques. Tu as, tu, voilà, tu es très bien comme tu fais. L'autodérision, ne pas se prendre au sérieux. Franchement, ouais. moi, moi, je te félicite, hein. Et eh ben, enfin, merci. <rire> <rire> je t'en prie. Je t'en bon. prie. Par contre, Mehdi, c'est pas que je t'aime pas, mais. Euh... Je comprends. J'allais me coucher. Je me suis dit, alors, j'ai pas la grosse tête. Tu voulais que je vienne, je suis venu. Voilà. Parfait. Franchement, tu es le seul donc, du, de ce groupe-là qui, qui a accepté. Je te remercie. Tu as été euh, vraiment, vraiment très. C'est très sympa de ta part. Et puis, j'espère qu'on avancera tous ensemble à l'avenir. Ouais, il ouais. bah, a pas de souci, Mehdi. Bonne soirée! Et eh bien, toi aussi, Mehdi, continue, bon <laughs> courage. Merci, bonne soirée. N'hésitez pas, Mike Rambo. Salut les loulous. Tu veux Alors, par tu, pour ceux qui ne connaissent pas ta page, comment elle s'appelle Alors, c'est le Mike Rambo, c'est la quotidienne des Gilets jaunes du lundi au vendredi, 21h minuit, qu'on anime en direct et on laisse intervenir le peuple qui a envie de s'exprimer. Et vous avez il la a... preuve, vous avez là Je la te... preuve, c'est que franchement, euh, regardez, il, il me laisse carrément longtemps m'exprimer. Le, plus loin, Mike, M-I-K-E, plus loin, Rambo, comme Rambo, Testalone. Comme John Rambo, mon colonel. Voilà. Si le... Vous allez, c'est très facile de trouver, à trouver, hein. Moi, je l'ai trouvé, tout le monde le trouve. Et euh, donc, c'est à 21h tous les jours. Là, je vois qu'il y a plein de pouces qui, 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 qui démarrent sur le ah, live. Je, je vois pas ce qui se passe. Moi, je le vois, hein. tu, 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 es très apprécié. Il y a Elis ah, ouais. Donc, euh, là, elle te fait plein de cœur, Elis Cuté. Eh, ben, eh bien merci, c'est gentil. Et bien, on te suivra. De toute façon, maintenant, on va se connecter souvent. Hein. Oui, Il eh n'y ben, a pas de problème. Eh bien merci à vous. Salut les loulous. Bonne soirée. À demain soir. A demain. Ciao. Bon, alors je vais mettre maintenant mon image. Je suis là, mes amis. À l'instant, hop. Maintenant j'active la caméra tout seul. Alors la caméra tout seul, elle est là. Hop, voilà. Vous allez me voir. Et voilà. Bon, c'est très très positif. Hein. Je suis très content. Euh, tous ceux de mes amis qui me suivent dans les lives tous les soirs, particulièrement Cindy Goncalves qui a. Beaucoup insisté pour que ça se fasse avec Mike et pareil. Vous êtes beaucoup hein, à avoir insisté. Hein. J'ai vu tout à l'heure, il y avait des, des gyrophares partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe D'habitude, quand il y a autant de gyrophares, c'est que mon, mon, mon micro est coupé. Souvent, ça arrive. Bon, bah, j'espère que ce, cet échange euh, vous a plu. J'espère que voilà, ça a clarifié beaucoup de choses dans vos têtes pour ceux qui ne me connaissent pas vous voyez bien euh, quel est mon combat quelles sont mes revendications vous voyez bien euh, là, euh, mike mike est plein donc de, bonne, euh, de bonnes initiatives de bonne foi surtout hein. donc on le voit bien que tout n'est ne, pas de son ressort Hein, il, il ne fait qu'une chaîne comme votre serviteur. Hein, il n'est pas considéré comme étant euh, par, les, par les merdias comme étant un des organisateurs euh, du mouvement. Mais malgré tout, malgré ce fait-là, malgré qu'il n'a pas vraiment, on va dire, euh, un, un pouvoir, on va dire, entre guillemets, exécutif, dans ceux que représentent les, les gilets jaunes, et bien malgré tout, vous avez vu que... Non seulement il, il a pris ce live couché dans son lit, mais aussi il n'a pas arrêté de, 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 donc de, de, de trouver ses arguments valables. Il les partage même hein, sur les enfants, les vaccins, il les partage. Et je, moi je suis absolument certain qu'il le fera. Il essaiera d'en parler aux autres. Et puis de toute façon, je pense que vous le verrez revenir régulièrement. À nouveau dans ce live, et vous me verrez donc pour ceux, les spectateurs de, de Mike. Euh, je je, je l'espère et je pense que ça se fera. Mike l'a demandé euh, à ce que j'intervienne dans son dans son live, hein, dans son live qui est donc euh, du lundi au vendredi. Euh, euh, J'espère ne pas me tromper, c'est bien au vendredi et pas au samedi. Du lundi au vendredi de 21h à minuit donc sur la page le Mike Rombo. Bon, c'est très bien, je suis très content, c'est euh, ça fait quand même euh, une belle avancée. Je n'ai pas réussi, c'était prévu donc que euh, pour ceux qui connaissent Jules Engan, qui devait intervenir avec moi en live, euh, mais il euh, bon, bah, y a eu des soucis des soucis de matériel parce qu'il n'était pas vraiment chez lui. on va attendre peut-être mardi, mercredi. mais jules engan a une chaîne youtube très suivie hein, qui il, il met des informations très intéressantes pour s'éveiller, des vidéos avec, avec donc des analyses extrêmement intéressantes. donc il a été récemment un peu censuré. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est euh, rencontré Là, ça a l'air d'aller d'aller mieux sur sa chaîne. Et donc, il est prévu qu'on fasse comme ça des échanges. Euh, donc il est très éveillé. Hein. Jules, vous le verrez, hein, c'est quelqu'un qui euh, qui a beaucoup de culture, beaucoup d'informations euh, à faire passer. Et donc j'espère que les, les, les échanges bientôt que que l'on vous proposera seront de la qualité que vous espérez. Et il y aura aussi mon ami, notre ami Gilbert, Gilbert Chabrol, qui, qui, qui de temps en temps aussi viendra apporter une touche comme ça, de une fraîcheur. Une fraîcheur. Donc Gilbert, c'est quelqu'un de très très humble, qui, même si, je veux dire, n'a pas de dire « Je ne connais pas ce sujet, mais dis, est-ce que tu peux m'informer sur ça ?» Euh, Est-ce que vous pouvez me dire si cette information est vraie J'ai entendu dire que qu'est-ce que vous en pensez Voilà, c'est Gilbert. Euh, vous le verrez, c'est quelqu'un de naturel. Hein, il ne se prend pas euh, au sérieux. Euh, voilà, donc je le prendrai aussi régulièrement, euh, régulièrement euh, dans ce live. Cindy, tu, tu as apprécié toi aussi. Tu, tu dis, euh, il, il est top Mike, c'est un ouf. Tu as apprécié toi aussi, Rebelle Pacifique. Tu dis merci Mike Rambaud. Euh, on le connaît. Tu dis euh, salut Mike, Richard Debré. Marie Lefebvre, tu dis on le connaît. Voilà, c'est très très bien. C'est positif. Il n'y a pas eu euh, de trollage. Ça se passe super bien. Coucou Gilets jaunes d'Ardèche. Euh, eh bien, d'Ardèche. <laughs> euh, si, comme son nom l'indique. Euh, Mota Abdelrani, euh, tu m'as envoyé une vidéo, ça vaut le détour. Je doute que je puisse la, la consulter, mais je la regarderai, à mon avis, en dehors du, euh, du live. Katem, Katem, tu as envoyé plein de cœurs jaunes. Eh bien, c'est la bonne couleur. Merci beaucoup. C'est pour Mike et moi, je suppose. Il y en a sept, ça va être difficile à, à diviser à égalité sept. Hein. Euh, alors. Chris, j'utilise OBS. Anto Laurie, merci Anto. Je, je suis au top. Eh ben merci, tu me touches beaucoup. Euh, Messon, toi aussi, tu m'as envoyé des messages. Vous voyez bien. Je n'ai que demain. Je ne peux pas tout gérer. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais parti dans une discussion. Je ne me rappelle même plus à quel moment vous m'avez coupé pour me dire qu'il y a Mike qui veut s'exprimer. J'ai vu des... Des gyrophares rouges, des bonhommes pas contents. Je dis qu'est-ce qui se passe Mais vous avez bien fait, vous avez très bien fait. Euh, alors bon, bah, je vais en descendre en bas. Euh, Gilbert, je t'en prie, hein, on va te voir bientôt. Donc tu m'as envoyé Abdel euh, Mota, Abdelrani, un lieu où un gilet jaune a réussi à plaquer. Un CRS, c'est à euh, se sauver. Il a esquivé un tir de flashball. Eh bien, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Marie Lefebvre Tavernier, toi aussi, tu me dis qu'il faut que je lise mes messages. Alors, mais je, vous, vous le savez très bien, vous me connaissez. Je les lis, mes messages. Mais sur les lives comme ça, ça me paraît un peu difficile. Hein, parce que si je me mets là à consulter et que je, je vous laisse seul comme ça en silence pendant je sais pas moi deux trois minutes, franchement je, je doute que ça euh, que ça le fasse. Hein, donc je, je vais animer l'émission. À la limite, si aurait eu du monde avec moi pour faire un débat, moi j'aurais pu regarder comme ça discrètement le temps que l'autre personne euh, communique avec vous. Mais là, comme je suis seul, je vais plutôt rester euh, à vous parler. Je ne vais pas m'embarquer dans, dans des lectures comme ça en live. Donc déjà, je lis vos messages. Une fois qu'on finit les messages, je regarde euh, les informations que je vous ai préparées. Je regarde s'il n'y a pas une information qui vient de tomber à vous donner euh, en avant, avant qu'elle diffu qu soit diffusée un peu partout. Euh, Claudine Even, tu dis « contact aussi Didier Maisto ». Eh bien, n'hésite pas à nous mettre en relation. Euh, voilà, envoie-moi sur mon Messenger en MP euh, un lien vers une des publications de cette personne. Je ne le connais pas. Hein. Je, quand on ne connaît pas, il vaut mieux dire qu'on ne connaît pas. Donc, Didier Maisto, envoie-moi une de ses publications. Si tu le connais, toi, euh, mets-le en contact avec moi, hein, Claudine. Hein. Alors. Euh, Teddy Colin, alors tu, tu dis salut Dani, tu parlais aussi de France Actu à tout à l'heure, alors France Actu je vais vous le dire euh, comme ça de la manière la plus simple et sans rentrer dans des, dans des débats ça se fera pas et je pense que ça se fera jamais j'ai essayé, j'ai fait plusieurs essais on a fait plusieurs pour parler la personne de France Actu non seulement euh, est très très jeune donc euh, c'est quelqu'un de d'irrespectueux Hein, il m'a manqué de respect et euh, ses revendications sont plutôt euh, purement financières. Donc, il, il s'agit de, 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 de publicité, etc. Alors que moi, vous voyez votre serviteur, je, je, je ne gagne pas d'argent, ça m'intéresse pas de mettre des encarts publicitaires ou que sais-je. Euh, voilà. Tout simplement, je reviendrai pas là-dessus. Donc euh, voilà, j'ai France Actu, c'est très bien. Je n'ai pas critiqué la chaîne, je vais critiquer l'organisateur. Euh, donc Valentin, Valentin, mon gars, tu m'as manqué de respect et ça, c'est pas la peine de revenir me voir. Euh, alors, ensuite... Euh euh, Maison Machon et tu dis comment je fais pour rentrer avec Hangouts. Eh bien là j'ai abandonné Hangouts vu que vous n'avez jamais réussi à utiliser cette messagerie. Donc là je, je, les personnes que je prends je les ai pris par, euh, par Messenger. Hein, donc ce serait plutôt sur Messenger. Mais là euh, Maison je te prendrai promis. Hein, tu es quelqu'un avec lequel euh, je sais qu'il y aura... Euh, que du positif, donc je te prendrai. Mais là, euh, il est presque minuit, euh, ça fait un moment, donc je diffuse ce live pour ce soir. Je vais, je vais m'arrêter les, les les conférences, hein. les conférences. Je vais juste avancer là ce qui a avancé, et puis après on va se quitter. Mais euh, ce n'est qu'une partie remise. Alors, euh, Mason, voilà ce qu'on va faire. Il faut que je te prenne comme j'avais fait. Avec euh, d'autres, hein, avec Gilbert, avec Jules, il faut que je te prenne hors euh, en, en... le live, que je puisse tester ton matos, te dire un peu comment il faudrait que tu prépares, euh, si c'est une webcam, si c'est un téléphone, te donner des conseils pour qu'on t'entende bien, qu'on te voit bien, etc. Et puis, bon, bah après, tu, tu interviendras le soir même, et, euh, et puis, bah, à chaque fois que. Cela sera nécessaire, moi je n'ai aucun problème à donner la parole d'ailleurs. tiens mes amis, vous me dites ce que vous en pensez. J'ai réfléchi à un format euh, ce qui permettra encore une fois non seulement de vous laisser avoir la parole, mais une parole totalement libre mais aussi de faire connaître euh, cette chaîne ces chaînes pour euh, avoir donc un maximum de monde qui viennent s'abonner ou qui attendent les lives. Pour lorsque euh, on sera, que ce soit avec Mike, avec Mason, avec peu importe, en train de commenter l'actualité, qu'on ait un maximum donc, de personnes qui soient à ce moment-là euh, averties du fait qu'il y, qu y ait un live. Voilà. Alors le format que j'ai pensé faire à côté des autres formats, c'est d'ouvrir des lives euh, peut-être dans l'après-midi, je pense, même avant hein, s'il le faut euh, dans la matinée. Et le contenu de ce live ce, je ne me mettrai pas à l'image, je mettrai un bandeau avec vos messages. Hein, avec vos messages, je pense que c'est très recherché, c'est ce que vous voulez. Donc sur l'écran, vous verrez vos messages. Vous écrirez. Vous écrirez... Euh Vous écrirez donc euh, vos commentaires qui s'afficheront en temps réel sur l'écran que tout le monde euh, pourra donc visionner. Et, euh, et donc, euh, bah vous, serez, vous aurez une parole libre. Hein. Vous interagirez comme ça entre vous, comme je vois là que vous êtes en train d'interagir. Bon bah certains qui voudront faire leur pub euh, euh, tiens va voir le facebook d'Intel, va voir ça tant que ça reste pas tant que ça reste des pubs non commerciales si c'est euh, tiens cette vidéo est intéressante euh, sur je ne sais pas moi sur les gilets jaunes cette vidéo euh, regarde cette publication là c'est intéressant euh, pour connaître l'histoire de la franc-maçonnerie euh, euh, regardez cette chaîne là, elle est sympa. Est... Voilà, je vous laisserai donc mettre de la publicité non commerciale, hein, pas des choses du type, tiens, il faut acheter Renault, ou il faut, euh, il faut acheter cette, cette crème qui blanchit la peau. <laughs> voilà, c'est ça non. Ou acheter ce pot de miel euh, certifié, euh, euh, vrai miel, etc. Ah, ça c'est non. Hein. Vendre des produits. Non, mais après... après Dire que ce Facebook est intéressant, cette personne dit des choses intéressantes, etc., je garde un œil, hein, parce que si c'est pour embarquer les autres dans des impasses avec des gens qui vont parler d'extraterrestres, etc., qui, savent même pas de, qui, 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 qui ne diffusent même pas le début euh, de la moindre preuve, euh, là, je. je je, je supprimerai, peut-être même je bloquerai si je vois que les personnes insistent avec des délires. Hein, tant que ça ne rentre pas dans des délires, je laisserai passer pour le reste. Voilà. Vous aurez une parole libre, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc vous aurez un, un, un affichage à l'écran. Vous exprimez comme vous faites sur les commentaires, vous voyez vos messages passer, comme ça, défiler progressivement, et comme ça vous serez élus entre les uns et les autres, et sur les autres plateformes. Parce que je ne diffuse pas uniquement, comme je l'ai dit, sur Facebook, je diffuse sur Periscope, sur VK, sur Youtube, sur Twitch, euh, donc voilà. Et, bien entendu, il faut un son, il faut un son. Hein. Donc ce que je mettrais en son, je mettrais des musiques euh, libres de droit pour ne pas se faire censurer, mais des musiques, on va dire, euh, voilà, calmes, euh, plaisantes, euh, qui vont tourner toute la journée. Bah, ça fera comme une radio, hein. ça sera une radio. Euh, donc euh, voilà, vous viendrez non seulement pour la musique, hein, mais aussi pour euh, lire euh, les messages et pour passer vos messages. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, je vais lire un peu euh, ce que vous me dites. Hein. Euh, Marie Lefebvre, tu dis attention, France Actu a subi une usurpation de nom. Bah, euh, moi, j'ai pas l'impression parce que je sais que j'étais avec ce, ce. Oui, Marie Lefebvre, qu'est-ce qu'il y a Mehdi. Tu dis, ah, bah là, vous dites c'est Steven Lenormand, le vrai France Actu, lui, il est sympa. Bah, je veux bien croire, moi, j'étais en contact avec un certain Valentin m'a qui m'a qui, qui pris beaucoup de temps parce qu'on s'est contacté beaucoup 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 et euh, au final bon bah c'est il était prévu que je diffuse mon live sur son canal hein. lui il voulait que je, je je fasse que je fasse ça parce qu'il bon j'ai fait un test hein. vous pouvez euh, le voir je sais pas s'il l'a laissé mais moi je l'ai j'ai fait un test un soir j'ai fini mon live et donc après, il m'a donné ses codes et j'ai diffusé sur son canal, peut-être, je sais pas, moi, même pas, une minute, j'ai diffusé une minute en disant bonsoir aux téléspectateurs, aux spectateurs de France Actu, voilà, je suis Medim Nawar et bientôt, il y aura une collaboration. Et donc ces images-là ont été diffusées, hein, je les ai vérifiées, j'étais, donc c'était un test et ça a été réussi. Donc, les personnes, la personne à laquelle, euh, avec laquelle euh, j'ai traité avait hein, ces, ces codes, avait accès à la chaîne. C'est d'ailleurs, je pense, le garçon qu'on voit avec un casque comme moi, le, le petit jeune. Euh, voilà. Bon, ça a été une expérience malheureuse parce que ce petit jeune a voulu placer. Des publicités, etc. Et je lui ai dit non. Et après, je l'ai contacté donc pour lui dire c'est bon là, je vais lancer un live. Est-ce qu'on le fait Il m'a écrit euh, TGL ou TG. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire ta gueule. Bon bah ben, j'ai dit écoute, mon gars, c'est terminé. Et puis t'as pas intérêt, hein, t'as pas intérêt à ce que je te croise. Hein, parce que moi, je vais t'apprendre le respect. Donc, déjà, on respecte par rapport à l'âge, mais on respecte ceux qui ne t'ont pas insulté. Là, tu peux faire le malin derrière ton écran. Mais tu pas intérêt à ce que je te croise. Et là, je ne te parle pas de se battre euh, comme, des, comme des gamins, hein, mais juste de, de, de se parler. Hein. On, va, on va parler, on va pas parler euh, derrière des écrans que ce soit. On va discuter. On va discuter, on va parler. On va voir si à ce moment-là, tu, tu auras de l'assurance. Ok. Il y a, tu vois, on vous dit il y a deux France Actu. Euh, ok Cindy, donc tu as cerné le personnage, tu dis il est bête celui-là, le Valentin. Eh bien, si vous avez le vrai France Actu, euh, le vrai, donc, euh, vous dites euh, le Normand, eh bien, vous le mettez en contact avec moi, vous m'envoyez par Messenger euh, ses... sa chaîne, euh, sa publication, son profil, euh, que je puisse me mettre en contact avec lui. Et en tout cas, cette histoire de, 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 que je, vous, je viens de vous relater sur ce, sur ce Valentin je pense que euh, je voulais assez expliquer. et je pense que vous l'avez pas mal compris euh, ok Danij si ah bah tiens, Danij si tu fais partie donc de ce euh, tiens c'est bien que tu sois là Danij si j'ai vu que tu, tu tu es venu donc ce soir Tu es venu ce soir, donc sur, euh, tu m'as demandé en ami. Et tu fais partie de du groupe de euh, France Actu avec ce Valentin, et donc j'essaie de voir qu'est-ce que tu écris parce que donc tu as dit, il nous a spolié maintenant euh, par rancune de l'avoir éjecté. Donc tu parles, ah voilà. Donc tu disais Valentin n'est plus parmi nous depuis un mois au moins. Bah, tu vois, c'est bien hein, là, tu vois, qu'on qu puisse s'expliquer comme ça. C'est très bien. Très bien. Bon, bah alors voilà, on se comprend. Toi, tu fais partie du groupe. Tu peux... Euh, tu, me, tu me dis exactement ce qui se passe. Moi, je viens de te dire... Euh, Mylène Chosy, toi aussi, vous mettez maintenant des croix partout, des girafes. Alors, Mylène Chosy, tu m'as mis plein de croix en disant, prends, euh, Mehdi, prends deux minutes, lis tous tes messages. Bon, alors, il va falloir que j'aille lire. Tu parles des messages que je viens de lire là, parce qu'on a, a toujours 20 Pour ceux qui ne savent pas, il y a 20 secondes, c'est pas moi qui choisis, c'est comme ça, c'est les réseaux, pour tout le monde. Hein. Il y a 20 secondes de décalage entre le moment où je vous parle et le moment. Ou enfin euh, cela arrive sur vos téléphones il y a 20 secondes. Ah d'accord maintenant je comprends donc Dani je si tu dis euh, Valentin c'est Actu France et vous c'est France Actu mais sauf que moi enfin euh, euh, je t'ai vu je t'ai vu euh, sur euh, le live enfin euh, il me semble peut-être je me trompe sur la même page sur laquelle j'ai diffusé mon canal parce que j'ai la possibilité de, de, de diffuser plusieurs clones de mon live en même temps en simultané sur plusieurs plateformes sur plusieurs Facebook et donc j'avais diffusé et je m'étais vu hein, apparaître sur cette chaîne là sur laquelle je peux me tromper hein, je peux me tromper mais sur laquelle je t'ai vu toi aussi donc Dani glacis euh, je t'ai vu toi aussi euh, on coupe carré comme ça, donc sur le même écran avec euh, bon ben bah voilà. Après on va on va tirer ça au clair. Hein. Moi je si toi Dani je la tu peux, enfin tu dis que vous, tu n'as rien à voir, vous avez rien à voir avec ce Valentin méprisant, irrespectueux et que tu as envie de de faire quelque chose de bien comme Mike tout à l'heure, Mike le Rambo. Euh, comme d'autres, hein, parce qu'il y a Jules, très important Jules, qui viendra s'exprimer régulièrement, Jules Ngan, que je vous invite, certainement que vous avez vu, dû voir euh, un jour ou l'autre une de ses vidéos sur Youtube, il est très suivi Jules, Jules est très éveillé aussi. Donc euh, vous nous verrez converser, et eh bien toutes les bonnes volontés sont bonnes euh, à, à unir... Euh, et à multiplier et à, et à proposer. Donc moi je... Dany, moi je te connais pas, je n'ai aucun problème avec toi. Euh, je, tu, es, tu fais partie de mes contacts ce soir. Euh, si tu veux venir parler en ton nom euh, dans mon live, ou que je vienne parler dans votre live, parce que moi je peux le faire en même temps, être euh, sur mon live et présent sur votre live euh, en simultané avec plaisir. Euh, voilà, on va, on... tu n'es pas concerné donc par l'épisode Valentin ce que ce que je trouve très bien et et on voit pas euh, ça nous bloquera pas, il hein, n'y a pas de problème, mon cher euh, mon cher euh, Danny il hein, n'y a pas de problème, mon cher dany, euh, pas ce soir s'il te plaît parce que en plus tout à l'heure il y avait Mession, alors attends que je, je n'écorche pas mon ami. Messione, j'ai l'impression que son prénom il commence par Messione. Euh, alors, euh, je reviendrai tout à l'heure parce que j'ai vu une qui m'a parlé. Alors, où est-ce que tu... Voilà, Messonne. Messonne. Donc euh, tout à l'heure, je lui ai refusé gentiment de faire, un... de venir s'exprimer avec moi ce soir parce que je suis épuisé. Ça fait un moment. J'ai démarré. Gilbert le sait. Jules le sait. J'ai fait des tests avec eux en off. Donc je suis épuisé, hein, je vous jure, depuis euh, je crois 19h que je suis en train de, de parler avec quelqu'un. Euh, voilà. Donc euh, mes chers amis, soyez indulgents avec moi. Regardez Mike, ça fait un moment que j'attends qu'il vienne s'exprimer. Donc je l'ai pris immédiatement et vous avez tous été là et il n'y a aucun problème. Mais euh, pour tous les autres, Danny s'est promis. Alors, regarde, je vais dire, il y a beaucoup de témoins. C'est promis, euh, je te prendrai dès demain si tu es dispo. Euh, Mason, je t'ai promis avant Dany, je te prendrai Mason, il n'y a aucun problème. Euh, je voulais, euh, tiens, il y avait donc par rapport à la musique, Claudine Evan, alors c'est la musique que je diffuserai, ça sera une, une musique sans droit, donc on ne tombera pas dans les problèmes des copyrights, parce que les copyrights c'est ce qui leur permet de censurer tout. Hein. Même tu mets des fois sur une vidéo un live de 4 heures tu mets 20 secondes de, de musique il te censure tout le live tout le live des fois tu diffuses tu récupères un live sur le terrain et eh bien quelqu'un met une musique dans sa bagnole parce que vous êtes en déplacement ou vous êtes à une manifestation où il y en a ou vous êtes dans un bar le bar met, met une musique et ben ça te coupe le live ça te le censure par la suite on peut pas le revoir juste parce que il y avait quelques secondes de musique que même pas même tu tu, tu l'as pas diffusé toi-même t'as pas t'as pas eu le choix quoi c'est vraiment ridicule c'est c'est nul donc euh, voilà donc tu trouves euh, c'était Nabiha. Nabiha Saidi donc tu dis c'est une belle idée mais ok ok donc t'es dit c'est bon j'ai vu que euh, Danny. Euh, Danny, donc il fait partie de mes contacts et on va, je, on va se parler. Il n'y a pas de souci. Hein. On va clarifier la situation. Euh, C'est clair et net. Vous inquiétez pas. On va clarifier la situation. Bon, ben voilà. Danny, euh, je veux dire, on peut s'appeler aussi, pas, pas forcément sur le live. Hein. On s'appellera. Là, j'ai beaucoup de personnes à appeler. Hein, donc, euh, on s'appellera euh, Danny. Y a pas de problème ok là tu m'as déjà mis il suffit de regarder la bonne chaîne france à France actu officiel Danny envoie moi s'il te plaît sur en mp sur mon messenger un lien vers euh, un des lives de, de votre chaîne que je puisse regarder ça à tête reposée parce que vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages là et je le comprends hein. on va pas passer la soirée là dessus je vais regarder ce que vous m'avez envoyé, donc envoyez-le moi. Dany, on va se parler euh, en off s'il le faut, mais en live si tu y tiens, euh, et les deux si tu veux. Voilà, il n'y a pas de problème les amis, hein, on va se parler. Mason, tu sais très bien que tu fais partie de mon groupe, on se parle tous les jours, donc il n'y a aucun problème. Euh, ok, allez, on va avancer. Ok, Messon, Donc toi tu dis ça ne presse pas, t'inquiète. Mais dis, ok, on va avancer. Dani, pareil, tu tu es euh, donc tu es partant. Tu dis n'hésite pas avec plaisir. Euh, je juge ce que je vois. Hein, tu dis ne juge pas trop vite, si, si, Je juge ce que je vois et ce que j'ai vu, c'était quelqu'un de France Actu Actu France. Peu importe d'une page qui s'appelle France Actu Actu machin qui m'a donné des codes donc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas comment dire c'est pas un usurpateur dans ce sens là dans le sens où il m'a donné des codes il n'y a que le propriétaire de la chaîne qui peut les avoir et que ça a fonctionné à partir du moment où j'ai diffusé et ça a fonctionné sur cette page là qui est suivie je crois par 60 000 personnes et dans les lives et je t'ai vu toi dedans Dani, dans les lives sont suivis aussi donc euh, je parle je ne m'aventure pas sur des choses que je connais pas. J'ai relaté les faits tels qu'ils étaient. Donc, il euh, va falloir aussi, euh, euh, comment dire, en tenir compte. Hein. Tu peux pas dire ça. Il hein. faut, faut en tenir compte de ce que je te dis. Ok, très bien. Ok, bon, bah très bien. Alors moi, j'ai je, 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 relaté les faits. Que, euh, que j'ai vécu et donc voilà bon bah c'est bien tu es là pour m'informer de choses que je ne savais pas qu'il s'est passé des choses avec ce Valentin etc très bien on va pas y passer de toute façon euh, moi je te, je, je l'ai dit tu t'exprimeras sur ma chaîne hein, au moins une fois hein. au moins une fois ça c'est promis je te t'en fais la promesse même si tu vas pas dans mon sens je te fais la promesse tu t'exprimeras au moins une fois sur ma chaîne après tu, tu diras ce que tu voudras, il n'y a pas de souci. Ok, allez. Ok, bon, alors il y a toujours un verre pourri dans la pomme. T'es dit, tu dis, nous sommes d'accord et en ne mettant pas, je, je n'ai jamais mis tout le monde dans le même sac. J'ai bien spécifié la personne euh, donc, qui était insultante et que j'ai nommée, qui était, qui s'appelle Valentin. Euh, C'est clair et net. Allez, mes amis. Euh, hop, euh, où est-ce qu'on en est Alors, euh, ça, je vous ai mis tout à l'heure ça. En plus, donc ça, c'est ça. Alors, ça, c'est ça. Hop, ok. Très bien. Ah ok bon bah Cindy, tu m'as donné plein d'explications donc euh, quelqu'un bon bah ok, très bien, très bien très bien très bien, très bien, c'était pas le bon France Actu, c'est un usurpateur qui a créé une copie de France Actu bon, on va vérifier tout ça très bien, très bien, allez alors des infos toutes fraîches, allez, on y va et puis je pense euh, après on va s'arrêter, mes chers amis parce que c'est si je ne vous ai pas pris en live, c'est vraiment parce que je suis fatigué. Donc, euh, euh, l'Union européenne qui avait donné un ultimatum à, à Nicolas Maduro, le président euh, donc légitime du Venezuela, que euh, l'Union européenne, les Français, la France, les Américains euh, et tous les pays belligérants, essaye de le faire remplacer donc par, euh, par quelqu'un d'autre hein, comme ils savent toujours faire hein, eh bien euh, euh, l'Union européenne avait lancé un ultimatum pour lui imposer de euh, euh, d'appeler de nouvelles élections on se demande pourquoi pourquoi ils le font pas en France ben, je vais dire tant qu'à faire c'est quand même incroyable pourquoi l'Union Européenne ne demande pas, parce qu'il y a les Gilets jaunes aussi en France, à ce que Macron appelle à des élections présidentielles anticipées comme elle l'exige du Venezuela Mais c'est toujours pareil. Hein. Ce qui est bon pour les autres n'est pas bon pour eux-mêmes. Hein. Et donc là, bon, ben, l'information, c'est que Nicolas Maduro rejette. Hein, il rejette cet ultimatum. Il a raison. Il a raison. Alors ensuite... La salle des fêtes de l'Elysée dans les travaux ont été engagés par Brigitte Macron, ont coûté environ 500 000 euros. Et donc il y a, il y a eu des photos. Elle a été dévoilée de cette salle des fêtes. Euh, rafistolée, enfin je ne sais pas moi. Améliorée à, à coût de 500 millions d'euros. Allez, on va regarder ensemble l'article. Euh, voir s'il n'y a pas... Voilà, on va voir les photos. Voilà, il y a deux photos très intéressantes. On va les regarder. Voilà. Et je vous mets les photos donc à l'écran. Voilà. Voilà comment c'est devenu, comment c'était enfin c'était pas comme ça ça c'était quand il l'avait préparé pour la, pour les travaux vous savez quand vous couvrez les sols etc ça c'est épuré bon et bon ben là c'est devenu comme ça c'est devenu comme ça 500 millions d'euros avant après bon voilà, euh, l'information euh, est passée. Je vous ai passé l'information. 500 millions, hein, Un demi-milliard quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu euh, sur la photo. 500 millions. Non, 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 mais là, il faut que je remette ça. J'ai je, je, du mal, hein. moi, perso. Qu'est-ce qu'ils. Qu'est-ce qu'ils ont. Enfin, est-ce que c'est du vrai or Est-ce que c'est du... Enfin, il, va, il va falloir nous dire si ces colonnes, par exemple, ils ont cassé les colonnes en marbre et ils ont installé des colonnes en or. Parce que pour arriver à 500 millions d'euros, hein, on est ayant posé un beau tapis, euh, de belles tapisseries, euh, et puis hein, avoir euh, euh, refait les, les, les plafonds, je sais pas moi, j'aurais mis. 1 million, 2, 10. Allez, si jamais, moi perso, si j'avais un, un budget limité, j'aurais jamais mis euh, plus de 50 millions dans ça. Jamais, mais même 50 millions, je les aurais jamais atteints. J'aurais fait la même chose que ce que vous voyez là, mais jamais 50 millions d'euros. Et là, on parle de 500 millions 500 millions 500 millions d'euros Je sais pas si vous. Si, si vous visualisez ce que ça représente 500 millions d'euros pour faire ça des tapisseries des des des, bord, des brodures enfin je sais pas ça s'appelle pas brodure c'est des bordures dorées des dorures voilà pardon des dorures enfin je sais pas si vous même si tu mets du cristal partout tu mets des pff, je sais pas 500 millions d'euros les amis 500 millions d'euros moi perso, hein, je, sans exagérer, franchement sans exagérer, avec 5 millions d'euros, je te fais ça. 5 millions, hein, j'ai pas besoin de plus. Moi, avec 5 millions, je te fais ça. 500 millions d'euros. Bon, euh, j ai, j ai, j ai, je pense que je vous ai assez cassé les oreilles avec ça. Mais enfin, vous, je pense que vous avez compris mon indignation. C est, c est, là, pour moi, il y a de l'ultra surfacturation. C'est en fait ce que la surfacturation, c'est quand vous faites des, du, un job, par exemple, admettant, je suis large, hein, un, ce job-là, il a valu 50 millions d'euros, euh, l'entreprise le, 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 qui, euh, qui, qui l'a exécuté, qui encaisse l'argent, inscrit au lieu de 50 millions d'euros, elle inscrit 500 millions d'euros, et après, bon, bah, vu que c'est l'argent de l'État, euh, l'entreprise redonne une partie. À, bon bah, à ceux qui ont, qui ont donné ce marché, hein, c'est là en l'occurrence, on va dire que c'est Brigitte et, et, et son mari, bon, à travers des cadeaux, des, 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 des donations, des choses comme ça. Si euh, je te, tu fais un boulot pour 50 millions et moi je te file 500 millions, tu me dois 450 millions. Bon, bah, tu, tu, je te demande pas les 450 millions, tu m'en rends 300 millions, tu te mets le reste dans ta poche. C'est comme ça que ça marche, hein. l'affaire euh, Pigmalion, euh, Sarkozy, etc. Bah, c'était la même chose, c'était des surfacturations euh, de, 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 soirées, euh, euh, de, soirées, de soirées, électorales. Hein. C'était des surfacturations. C'est l'argent qui circule comme ça, c'est des rétrocommissions. Voilà, c'est connu ça. Hein. Bon. Comment on peut croire que ça c'est... Un demi-milliard. Bon. Allez, je n'ai pas vu ce que... Voilà, bon ben Nabiha, ça tu dis... Euh, ah attends, c'est 500 000 euros. Alors, est-ce que je me suis emballé tout seul depuis tout à l'heure Et là là... Ça... Ah bon, bon C'est 500 000 euros. Bon moi ben, je me suis emballé. Je me suis emballé. Bon bah ben, c'est. Je vous ai dit que j'étais fatigué. Je hein. j'aurais dû couper ce live depuis tout à l'heure. Allez, je me suis emballé. Ok, ok, bon. Ok, <laughs> t'es dit, tu dis alerte défacateur J'aime pas ce, ce franc-maçon, mais alerte quand même. Ok, 500 000 euros. Ouh. Ok, c'est logique. Alors, ok, ça c'est. Ok, ok, je me suis emballé tout seul. Ok, bon. Merci, euh, mes amis, vous voyez bien euh, l'importance de votre présence. Je suis fatigué, j'ai besoin d'aller me coucher. Je pense que vous l'avez vu. Bon, bah, il y a eu apparemment euh, des propos antisémites euh, lors des Gilets jaunes à Strasbourg. Donc, la communauté juive serait émue. On va voir ça. Et puis, euh, Et puis on va s'arrêter hein, parce que, parce que vous voyez bien, je commence à dire des bêtises, hein, à mal lire. Hein. C'est la fatigue qui ne qui n'arrange pas les choses. Bon, alors, qu'est-ce que c'est j'étais euh, Là, c'est une publicité qui a démarré toute seule. Euh, alors, je vous mets ça à l'écran. Ah, à la fin, j'essaierai de vous lire vite fait et on va se quitter, mes chers amis. Hein. Donc voilà, c'était. Euh, tiens, on va mettre ça comme ça. Non, ici. Voilà. Euh, hum. Alors, Gilets jaunes à Strasbourg, émotion de la communauté juive après des propos antisémites. Donc le consistoire israélite du Barin a fait part de sa forte émotion après les propos antisémites violents proférés samedi lors de la manifestation des Gilets jaunes à Strasbourg, également marquée par plusieurs actes de violence. Donc quel, où sont ces propos Ah voilà. Alors, euh, le consistoire s'élève avec une forte émotion contre les propos antisémites violents proférés devant la synagogue à l'encontre. De citoyens juifs célébrant le Shabbat, fête hebdomadaire de repos et de paix. Donc la préfecture a signalé dans un communiqué que des propos racistes et antisémites avaient été proférés près de la grande synagogue de Strasbourg. Donc des propos fermement condamnés. Alors où est-ce qu'ils sont ces propos alors, c euh, ils, ils veulent donc euh, veiller à ce que l'effondrement de l'humanité soit respecté, à écarter les activistes violents et haineux des cortèges. Ok, où sont les propos La loi française permet à chacun de manifester, mais elle doit condamner avec fermeté euh, d'un bras fort les insultes antisémites. Ok, je ne vois pas les propos pour l'instant. On voit que les condamnations des propos, mais on voit pas les propos. Bon, il aurait été intéressant de, de le voir. Hein. Là, ça c'est pas la vidéo en question. Bon, voilà. Bon, ben, l'information. Écoutez, je vous ai passé l'information. J'aurais aimé voir les propos. Je pense comme vous ou la vidéo hein, qui montre ce qui s'est passé devant la grande synagogue, parce qu'aujourd'hui on a des vidéos surtout, hein, surtout si la préfecture euh, s'exprime, si la préfecture n'a pas les images de vidéosurveillance, elle ferait mieux de se taire, hein, qu'il nous, qu nous montre. Bon bref, l'information est passée. Euh, alors moi je regarde ce que euh, je vous avais, est-ce qu'il n'y a pas une information à passer ce soir au lieu de la mettre pour demain Sinon, on va se quitter. Bon, alors, euh, je regarde si j'ai pas des informations à vous donner. Et après, euh, alors ça. Bon il y a il y a une pétition donc pour la libération de Julien Assange Julian Assange là Bon, allez, je parlerai de ça demain parce que je suis épuisé. Parce que Julien Assange, il demande une soirée rien qu'à lui. Hein. Rien qu'à lui. Euh, alors, il y a plein de vidéos. Ce que je vais faire, je vais mettre cette vidéo pour finir qui, est, euh, qui comporte beaucoup d'humour. Après je vais vous lire et après on va se quitter. Alors regardez, je Bien continuer. cette vidéo est, est, est très intéressante. Donc c'est lors d'une euh, d'une assemblée générale des actionnaires de, euh, de Carrefour. Le groupe Carrefour avec les représentants, le PDG, etc. du groupe Carrefour. C'est une assemblée générale de, de, des actionnaires, des petits porteurs, des actionnaires. Et regardez l'intervention de cet homme, euh, magnifique intervention, hein, pleine d'humour. Allez, je vous en dis pas plus. Regardez ça. C'est très intéressant. Bien continuer. Merci. Numéro 4. Monsieur le Président, bonjour. Je suis actionnaire individuel depuis fort longtemps, euh, titulaire d'une carte passe, et je vais tous les vendredis euh, à, à midi au magasin Carrefour de Saint-Brice dans le Val d'Oise. Or, j'ai acheté dans ce, magasin, dans ce magasin des fraises à 1 euro, la barquette de 500 grammes qui viennent d'Espagne. J'ai eu la chiasse. J'ai acheté du blond. Qui vient de Costa Rica à 1,40, j'ai eu la chasse. Et je vous, passe, je vous passe tous vos articles en promotion sur le marché alimentaire. C'est bourré de pesticides, c'est de la vraie merde. Euh, par ailleurs, au rayon textile, j'ai demandé pour acheter des, des caleçons longs au début de l'hiver. Les caleçons, ils sont arrivés, mais au 15 janvier, et au 15 janvier, ils étaient trop courts aux genoux. Résultat, vous ne contrôlez rien. Les pantalons, j'ai voulu en acheter un, c'était taille 58, je ne rentrais pas dedans, maximum, et 52, c'est ma taille. J'ai acheté les chaussettes 46-48. Une fois lavées, elles sont revenues à 38, la taille de ma femme. Vous ne contrôlez rien. Vous étonnez que le nombre de passages en caisse soit assez stable, mais en fait, la quantité de marchandises en monnaie est beaucoup moindre. Par ailleurs, le prix de l'action a terriblement chuté, le dividende aussi. C'est la raison pour laquelle je voterai non à toutes vos propositions de résolution. Au revoir. Bon, D'abord, merci de ces précisions. C'est toujours important <laughs> de savoir, euh, si vous voulez, les mensurations, les dimensions et les problèmes techniques qu'on peut rencontrer dans les achats, parce que ça peut nous arriver à tous. Je ne sais pas si Lars ou Gilles souhaitent euh, dire un mot. <laughs> Non, je, je plein de sympathie pour Monsieur, euh, et, mais, euh, et, et ça me renforce d'ailleurs dans l'initiative dans qu'on a vient de lancer. Il faut réinventer l'hypermarché et je vous assure que dans le domaine du textile, il paraît qu'on a beaucoup à faire, donc on va prendre vos, vos différents propos. Euh, sinon, choses. je n'ai pas d'autre chose, je ne peux que regretter les, les incidences qui s'est passé, monsieur, et rassurez euh, vous qu'on va s'atteler de, de corriger ces, défauts, ces différents défauts. Voilà, mes chers amis. J'espère que ça vous a plu comme ça m'a plu. Et euh, je remercie, alors. Je pense que c'est G... <coughs> Gigi Nani qui me l'a envoyé. Gigi Nani qui m'envoie beaucoup de vidéos très intéressantes. Merci à Gigi, merci à tous les autres aussi. Je sais que je diffuse des vidéos que vous m'envoyez et que franchement je ne sais plus qui me l'a envoyé. Donc je vous remercie quand même. Euh, voilà même si je vous nomme pas à chaque fois là du coup j'ai vu Gigi Nani, j'ai pensé à Gigi Nani. voilà merci à tout le monde mais son et tu m'envoies aussi beaucoup toi euh, alors jp euh, jp Ugenel, tu disais quelque chose d'intéressant oui tu disais il n'y a pas de preuve c'est juste pour mettre 50 flics de plus devant la synagogue euh, voilà si je trouvais ça parce que c'est peut-être ce euh, c'est peut-être cette raison alors <rire> teddy <rire> ok ok donc, euh, voilà, je vous propose, je vais mettre en application ce que je vous ai dit et que Nabiha et d'autres ont trouvé intéressant c'est de mettre euh, vos commentaires à l'écran avec de la musique où il n'y a pas de droit d'auteur, comme ça, et ça fait une espèce de radio dans la journée et ça permet que, euh, à travers les partages, à travers les personnes qui cherchent des lives, qui passent par là, qui trouvent un live, des personnes qui veulent euh, mettre. Parler d'une chaîne sans encore une fois gagner de l'argent, voilà. C'est des choses, c'est des publicités sans gain d'argent, c'est ce que je vous demande. Euh, voilà, des personnes qui veulent s'exprimer, ça sera à l'écrit, en ayant une musique hein, sympa, quoi, sans, sans droit d'auteur. Donc je pense, que je vais ouvrir un canal comme ça demain. Hein, euh, voilà, d'avoir ça dans la journée pour que la chaîne soit un peu plus euh, connue suivie pour le soir lors des, des débats les échanges des conférences d'avoir un maximum de personnes qui puissent suivre les lives et donc euh, euh, avoir les informations que que je transmettrai que nous transmettrons avec les personnes qui seront là voilà je vais faire ça Très bien. Bon bah, Elise, c'est toi qui ouvre le bal. Et bah t'as raison, on va se quitter. Elise, cuté, bonne nuit. Elise, <coughs> cuté, on va se quitter. Bonne nuit. Euh, Teddy Colin, bonne nuit à toi aussi. Félix euh, Valérie, tu as raison. C'est sur des moments comme ça qu'il faut se quitter. C'était bien pour finir. Euh, Félice Valérie, Et il n'y a de bonne euh, compagnie qui ne se quitte. Bonne nuit Félix, Felice, Felice. Catherine de Bavelaire, euh, euh, bonne nuit, tu as apprécié toi aussi, merci, merci pour ta présence. Marie Lefebvre Tavernier, merci toi aussi, comme tous les soirs, bonne nuit et merci, j'essaierai, je tâcherai de prendre du repos, même si euh, pour moi ce qui compte, c'est que la révolution aboutisse. Hein, ma personne euh, n'est pas si importante, mais effectivement, pour que je puisse... Euh, ne pas faire des erreurs entre 500 000 et 500 millions. Quand même, il faudrait que je pense à me reposer un peu. Euh, alors Gilbert, mon ami, bonne nuit. Messon Macho Negre, yellow, euh, bonne nuit. Ok, donc vous êtes d'accord. Gilbert, tu es d'accord pour la chaîne avec de la musique et les commentaires, et donc vous partagerez. Guylaine, Miras, euh, bonne nuit. Euh, Messon et Gilbert, bonne nuit. Claudine Even, bonne nuit, tu es déjà en train de dormir, Claudine. Je vois un petit bonhomme qui dort, qui renfle. Tu renfles, que Claudine Tu renfles euh, Antolori, bonne nuit à toi aussi. Gigi Nani, merci. Bonne nuit. J'aime bien toujours les petits drapeaux, etc. Bon bah c'est les drapeaux, c'est la franc-maçonnerie, hein. Bon, c'est pas grave. Allez. C'est les drapeaux. Parce qu'on est en France. Allez. Bonne nuit Gigi Nani, merci pour toute ton aide et tes vidéos. Euh, Cindy, ma chère Cindy, merci pour tout. Hein. Tu t'es battue hein, pour que ce, il y ait lieu et lieu cette, cette connexion avec Mike Rambo. Et pas que Mike Rambo. Tu m'as connecté aussi avec, euh, euh, avec comment il s'appelle... Galactica. Hein, que des personnes de, intéressantes hein, et de... Et de valeur. Euh, abdel rani euh, Bonne nuit. Good night. Euh, Nabiha Saïdi. Euh, oui, oui, oui. J'arrive euh, bientôt. J'aurai plus de chômage. Nabiha, tu, tu fais bien de le dire. Et donc, euh, tu, tu me conseilles euh, la logique. Euh, oui, la logique voudrait que, que donc, je commence à gagner de l'argent. À travers ce que je fais, j'ai peur que ça, ça porte atteinte euh, au message que je veux transmettre. C'est pas facile hein, de demander de l'argent et en même temps d'expliquer de, de, qu que le but de ma démarche c'est que la révolution aboutisse et qu'on gagne tous à avoir une justice saine et qu'on parle de nos enfants, qu'on parle des vrais problèmes. C'est compliqué pour l'instant. Tant que tant que j'arrive à tenir, euh, je, 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 je ne demande rien et on parle pas d'argent. Mais merci pour, euh, pour euh, d'y penser Nabia. Merci pour tout pour ta bienveillance Nabia. Nabia bonne nuit Nabia. Euh, alors qui d'autre j'ai vu tout le monde. Ah oui, dit, tu dis que si j'ai besoin d'un travail, je traverse la rue et je le trouve. Qui veut, qui, qui, alors je devrais pas dire ça parce que je suis au chômage. Bien sûr que je cherche activement du travail. Mais euh, qui a dit que je voulais euh, encore euh, me soumettre à l'esclavagisme salarial Qui a dit que euh, le, la vie, euh, même avec très très peu, est bien plus euh, comment dire bien plus intéressante et vaut bien plus la peine d'être vécue euh, que avec plus d'argent mais en étant empêché de réfléchir parce que lorsque vous passez votre vie à travailler euh, dans les transports en commun dans les transports euh, vous passez sept heures enfermé quelque part même plus parce que vous avez la pause déjeuner etc au final il vous reste très 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 peu de temps pour vous informer extrêmement peu de temps pour réfléchir et c'est le but qu'il recherche moi personnellement je ne suis pas un robot je ne suis pas un animal je suis un être humain et j'adore réfléchir et euh, voilà je suis comme vous je suis curieux j'aime avoir des réponses à mes questions j'aime réfléchir euh, avoir me poser des questions existentielles, chercher des réponses existentielles. Donc voilà, c'est c'est sûr que j'essaierai de, de, de gagner de l'argent avec ce que j'aime. Là, effectivement, ce que je fais, peut-être j'écrirai des livres, peut-être, bon, ben, je sais pas. Pour l'instant, euh, je pense que le plus important, c'est de faire aboutir à la révolution. Moi, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je m'étais présenté aux législatives. Euh, j'ai perdu d'argent de l'argent donc euh, voilà on verra on verra maintenant voilà je vous ai dit euh, mon, mon avis mais je sais que tu me tu me taquines t'es dit voilà moi j'ai pu euh, voilà répondre à vous euh, à toutes ces questions allez <laughs> Donc Messon, je t'ai dit bonne nuit. Qui d'autre Mylène Chosy si je te l'ai pas déjà dit, bonne nuit ma chère Mylène, merci. Merci pour ton soutien, merci pour, pour ta reconnaissance aussi, hein, de le fait de me dire merci, de me remercier, de me dire que je t'ai appris quelque chose, que je t'ai aidé à, à y voir plus clair dans certains sujets. Bah, écoute ça me fait plaisir hein. je vais pas vous le cacher ça me fait plaisir hein. je me dis que ça sert à quelque chose tout ce que je fais oui hein. que je peux pas c'est d'habitude normalement c'est la rétribution financière qui vous fait croire qui vous fait comprendre que que ça a été apprécié que vous avez réussi et là comme je n'y a pas de rétribution financière, eh bien vos gestes vos mots, cet amour que vous m... me transmettez cette reconnaissance ces remerciements eh bien c'est pour moi ça ça a mille fois plus de valeur que l'argent. Eh bien, merci. Nadi, merci pour tout. Ok. Très bien. Alors, j'espère n'avoir loupé personne. JP Ugenel, bonne nuit. Euh, j'espère. Claudine Even, bonne nuit. Et discutez. J'avais commencé par toi, bonne nuit. Allez, j'ai loupé personne. J'ai loupé personne. Nabiha Saidi, bonne nuit. Euh, Marie Lefebvre Tavernier, bonne nuit, si je ne te l'ai pas déjà dit. Allez, ok. Je pense, et par bah, tous ceux que j'ai loupés, euh, parce qu'il y a aussi les autres réseaux, eh ben, je ne sais pas si je pourrais les voir, parce que ça c'est compliqué. Hop, 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 voilà, tiens. On a euh, Fabrice Aller sur VK. Bonne nuit. Ok, Fabrice, tu t'es pas mal exprimé sur VK. A, tu as dit pédophile aussi, à mon avis. Tu parlais de Daniel Cohn-Bendit. Ok, Fabrice. Yep. Je suis d'accord avec toi, Fabrice Aller sur VK. Tu dis, il n'y a pas que les taxes qui comptent. Ça va beaucoup plus loin. Ok, Fabrice. Voilà, Fabrice. Donc, euh, shama, macha sur VK, bonne nuit. Nous sommes d'accord. Lahwari Mahamli, je t'ai pas vu arriver tout à l'heure. Bonne nuit. Euh, ok. Alors. Chris Roquet, Litch, bonne nuit. Alors, j'ai loupé. J'essaie de voir un maximum de personnes. Quand même, c'est intéressant de regarder les autres réseaux. Donc, là, Fabrice, est-ce que je vois d'autres personnes Ok, ça fait. <laughs> Gilbert, je suis un grand maître de la diffusion. Merci mon cher Gilbert. Merci mon Gilbert. Allez, euh, mes amis, passez une, euh, un bon début de semaine, un bon lundi. Vous verrez mon live, je l'espère, très très tôt demain, je veux dire très tôt dans la journée, hein, par rapport à ce que je diffuse d'habitude. Donc pour cette idée-là, vous venez, vous mettez vos commentaires, de la musique, euh, voilà, que ça, ça servira de radio aussi. Passez une excellente matinée, une magnifique journée. Courage pour euh, le début de semaine, courage pour le reste, courage pour tout dans vos vies. Courage les gilets jaunes. Ne suivez pas, ne partagez pas ces conneries sur les, la grève générale. C'en sera vraiment fini des Gilets jaunes, la grève générale. C'est une connerie monumentale. Surtout ne retombant pas de tout ce qui est blocage économique. Euh, les Gilets jaunes ont beaucoup pâti au début des tensions intra-peuple qui, 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 qui découlaient de tout ce qui est blocage. Ne retombant pas dans les travers du passé. Ne suivant pas... Ne donnant pas l'occasion aux syndicats de récupérer parce que c'est eux qui gèrent tout ce qui est grève etc avec nous nous on fait juste les samedis hein. c'est la meilleure des choses allez bonne soirée bonne nuit à tout le monde